Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez le live, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Bon mardi, bon début de semaine. Pour ceux qui sont en France, hier c'était férié dans la semaine déroule officiellement aujourd'hui. Alors, partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Partagez, partagez, partagez. Hey Mathéo, tu peux regarder, tu peux aller regarder dans ma chambre. Merci. Hein? Oui, bientôt tu viens manger. Oui. Partagez, partagez, partagez. Hey Mathéo, tu peux regarder, tu peux aller. Partagez le live, bipez tout le monde. Vous avez vu de quoi il s'agit. On va parler de notre sœur. De notre sœur, compresseur. Maman des orphelins. Vous savez, Facebook. C'est comme ça. Hein. Elle est mieux placée pour connaître comment Facebook fonctionne. Mais les choses aussi évoluent avec le temps. Comment ça tu sais pas où sont mes pieds? Partagez le live. On va se parler, on va se parler. On va se dire les vérités. On va parler. Il faut que vous avez tous vu le prépare de compresseur.
Et j'appelle tous les bonnes âmes de bonne volonté de, voilà, de partager, de passer sur le PayPal et faire un geste. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, Compressor est jeté à la verdie populaire pour que les gens finissent avec elle. À tort ou à raison. À tort ou à raison. Donc, je veux vous laisser. Chacun va venir parler. Une par une. Ce que vous reprochez à Pépétu. Partagez le direct. Moi, je vous ai dit que je suis sorti des clashs. Je ne rentrerai plus dans les clashs. Et ce n'est pas vous qui allez me remettre dans les clashs. Parce que moi, j'ai une identité. J'ai une étiquette. J'ai une marque. Qui est moi, mon nom et ma famille que je dois respecter. C'est pour cela que moi, j'ai décidé de quitter dans tout ce qui est médiocre. Si vous me voyez revenir dans les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Pépétu méritait tout cet acharnement. Tel ami fidèle et tendre. Après vous allez dire que vous êtes des chrétiens. Après vous allez dire que vous êtes des chrétiens, vous priez. Vous finissez de faire ça et vous allez à l'église. Qu'est-ce si cette fille, son cœur lâche à cause de votre acharnement, vous allez venir mettre rib, vous allez venir écrire des posts que même à son état actuel, elle ne peut pas le lire. Les gens, soyez justes. Soyez juste. On est tous. Moi, je suis ici dans Meta depuis 2009. J'ai vu l'arrivée de tout un chacun jusqu'aujourd'hui. Peut-être beaucoup d'entre vous êtes nouveaux. Mais sachez qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Les gens ont pardonné. Les gens ont pardonné. Les gens ont excusé. Les gens sont passés à autre chose. Vous n'allez pas me dire que c'est Pépétu qui mérite. Être crucifié sur la croix. Qu'est-ce que cette dame vous a fait? Venez ici me dire. La team de Flore, la team de Lolo, la team de grand frère Jean Lumesson, toutes les teams, toutes ces blogueuses qui font les panels et qui font les directs individuellement. Venez me dire. Ce que Compressor Maléba vous a fait, vous méritez tout cet acharnement. À un moment donné, arrêtez. Arrêtez parce que un jour, on va mettre les mains sur la tête. Ça serait trop tard. Faut pas que ça commence sous Compressor. Faut pas que ça commence sous Compressor. Compressor. C'est une soeur camerounaise comme tout le monde. Elle a fait les mauvais et les bonnes choses sur Meta. Mais vous avez fait un clan, Flore de Lille. Je te t'appelle Marco. Parce que tu es la première. Tu pouvais au moins se sortir et arrêter ça. Et ne pas jouer. Et ne pas manger de ce pain. Flore, parce que tu es. Tu as dépassé ce niveau. Flore, tu devais sortir et stopper ça. Et ne pas manger de ce pain. Laissez les blogueuses Nyama Nyama là. Au moins se jouer à ce jeu. Pas toi, Flore. Pas toi, Flore. Tu es sorti dans cette toile. Chaque fois que tu as crié sur cette toile, on t'a toujours soutenu. On t'a toujours porté. On est venu vers toi. On a oublié
Kofla a fait ci, Kofla a fait ça, elle a dit que c'est une soeur. On ne peut pas la laisser tomber. Tu devais au moins se arrêter ça. Et nous met en liberté. Tu devais au moins se arrêter ça, Fleur. Pour ne que parler de toi. Pour cet acharnement sur ton compresseur. Oui. Vous êtes en guerre virtuelle. Vous n'avez aucun problème réellement. Toi-même, tu le sais, ma faute. La tête à cette insulte. Oui, tu vas le dire. Combien des abeilles insultent au compresseur? Vous avez créé vous-même les bombes à retardement. Vous avez créé vous-même les monstres que vous ne pouvez pas gérer. Tu devais au moins se sortir pour une fois montrer la grande blogueuse que tu es et demander qu'on arrête cet acharnement sur compresseur. Oui, tu devais au moins se sortir, partager le direct des gens. Bonsoir, Ousmane. Partager le direct des gens. Partager, partager. Je vois pas les partages. Partager le direct des gens. Je vous en prie, partagez le direct. On va parler. Je vous ai mis là, celui ou celle qui a les choses à reprocher à compresseur, que cette personne sort, vienne prendre la parole et il me dise ce que compresseur lui a fait. Parce que mes chers frères et sœurs, on est en train d'aller loin, on ne se rend même pas compte. Vous êtes en train d'aller loin avec cette sœur. Vous n'êtes même pas en train de se rendre compte. Rêve Miaï, qu'est-ce que compresseur t'a bien fait? Qu'est-ce que compresseur t'a fait? Tu es venu ici que tu soutiens ta soeur, Tata Lolo. Dans la toile, pas contre compresseur. Dans toute la toile, tu es venu défendre Tata Lolo. À quel moment ton blog est resté figé sur compresseur? À quel moment, rêve bien? Tu ne te rends même pas compte qu'à un moment donné, il faut t'arrêter, ma soeur. Il faut t'arrêter. Tu parles d'autre chose. Partagez le live. Bonsoir à tout le monde. À un moment donné, tu ne vois pas que tu dois t'arrêter. Vous avez tout dit sur cette fille. Vous avez fait les lives, les palais. Vous avez relié tout le monde sur compresseur. Vous ne trouvez pas... Attendez un peu, posez-vous un peu la question. Qu'à un moment donné, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on fait même? Carrie Richaud. On t'a connu ici en tant que blogueuse du combat. Tu as laissé le combat parce que oui, le combat est terminé. Le combat est terminé. Tu te convertis dans notre blog Mrakata. Parce que pour prendre ta place en tant que combattant, en tant que combattant, celle qui est sortie dit qu'elle va défendre les biens du Cameroun. Tu viens aussi t'asseoir dans la vie de ta soeur compresseur. Dans le Cameroun là que tu veux délivrer. Que tu nous as dit que tu es là pour délivrer le Cameroun. C'était pour les uns, pas pour les autres. Carrie Richaud, ma soeur. Ouais. Ouais, mes soeurs. Quand même. Carrie Richaud, mes soeurs. À quel moment ton blog s'est arrêté sur compresseur? Est-ce que compresseur t'a un jour parlé, ma soeur? Ouais! Soyez quand même juste, mes soeurs. Compresseur t'a un jour parlé, Carrie Richaud. Tu t'es assis. Parce que tu veux les followers de Lolo. Parce que tu veux les followers de Flore. Tu t'es arrêté dans la vie de compresseur, sans remords, soi-disant combattrice.
celle qui fait, qui a fait le combat pour délivrer le Cameroun des mains des tyrans. Ton combat, c'était pour les uns, pas pour les autres. Carrie Richaud, ma soeur, les combattants te regardent, le combat n'est pas fini. Ça va reprendre d'ici belle. 2025 là, le combat va reprendre. Tu penses que tu auras encore ta place dans le combat? Carrie Richaud, tu penses que tu auras encore ta place dans le combat? Que tu trouves tes soeurs, parce que tu es les aînés, tes jeunes soeurs, qui sont dans une guerre qui ne finit pas. Tu viens t'asseoir, tu attaches ton foulard comme le mien. Tu commences aussi à les aider à se diviser, à se faire du mal. Et tu vas t'appeler combattant. Carrie Richaud, qu'est-ce qui n'a pas marché, mes soeurs? Est-ce que toi, Karim Richaud, soi-disant intellectuel, tu as besoin d'entrer dans ce genre de blog pour parler aux Camerounais? Pour que les Camerounais qui ont cru à toi dans le combat voient ton joli foulard que tu mets tous les soirs, tous les matins, t'asseoir sur la vie d'une de tes jeunes compatriotes? Vraiment, vous avez loupé tout, mes soeurs. Tu as tout loupé, Karim. Tout ton combat que tu as fait. Tout ton combat que tu as fait, tu l'as réduit à zéro. Parce que même les étoiles qu'on donne sur Métala, les étoiles ne donnent rien. Et ces gens de team-là, elles ne donnent plus rien. Rien du tout. Parce qu'elles en ont marre à donner, à donner, à donner et ça ne finit pas. À donner, à donner, à donner, ça ne finit pas. Donc tu ne gagnes rien sur ça, Karim Richaud. Rien du tout. Tu ne gagnes rien sur ce que tu fais sur Meta, ma soeur. Donc, tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes rien sur ce que tu fais sur Meta. Tes jeunes soeurs se bagarrent. Pour un oui, pour un non. Tu entres dedans, tu t'assois et tu te sers dans cette gamelle, au lieu de tout verser et de cuisiner une bonne soupe, tu appelles tes soeurs autour du feu, tu t'assois et tu profites de cette division pour te faire ta petite place sur les réseaux sociaux. Partagez le direct. Excusez-moi, je suis en train de faire le poisson aux enfants en même temps. Je suis désolée. Alors, je disais ceci. Karim Richaud, ma soeur, s'il te plaît, élève un peu le niveau. Cette petite fille, oui, je vais appeler ça comme ça. Parce que pour toi, ce sont tes petites soeurs qui n'ont pas besoin de ça. Richaud, vraiment, qu'est-ce que Compressor a bien fait pour mériter tout cet acharnement? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui. C'était juste pour te dire que j'ai vu à l'antenne de ton direct, tu as mis le lien PayPal de ma PP. Pardon? Je dis,
Attends, je te rappelle, j'enlève les écouteurs. Oui, j'enlève les écouteurs alors. Il faut que vous veniez. J'appelle ici tous les teams. Parce que derrière tous ces teams se cachent des vraies personnes. Derrière tous ces teams se cachent des vraies personnes. L'autre jour, on a vu Maman Lily. On a bien compris que ce n'est pas une machine qui est derrière le profit de Maman Lily, de Lily de la Cour. On a vu Lily de la Cour. Derrière tous ces profits se cachent des vraies personnes. S'il vous plaît, mes soeurs. S'il vous plaît, mes frères. Mettez un peu de la jugeote sur ce qu'on fait ici. Parce que le Seigneur, on est en train d'aller à la fin d'année. Le Seigneur peut visiter nos vies. Le Seigneur peut visiter vos vies. Ne pensez pas que vous êtes des faux profils. Vous pouvez faire des choses ni vues ni connues. L'autre jour, on a vu que le profil qui est derrière lui de la cour, c'est une dame, une belle dame, mais qui a décidé de se cacher. Et finalement, on a découvert que bon, de qui il s'agissait derrière ce profil. Maman Lily, penses-tu que les gens qui te connaissent, les gens qui t'ont reconnu, vas-y ma Allô. Oui. Oui, je disais que tu as mis sur à la tête de ton direct le PayPal de ma pépé, mais Christian de Monaco a ouvert une cagnotte. Je ne sais pas si tu as le lien, comme ça c'est plus mieux de. Oui, comme envoyer qui me mette demande à Christian Monaco de me mettre la cagnotte là, je vais aussi cliquer. Je n'ai pas le lien de la cagnotte. Ok. Si tu pouvais demander qu'on le tag pour qu'il mette le lien. Oui, que Christian Monaco me donne le lien de cette cagnotte et on me met ça là, je veux épingler ça. Ok, merci. Bye. De rien. Alors, Maman Lily, je reviens vers toi, ma soeur. À une époque, tu as apprécié Compressor. Tu l'as aimé. Tu l'as félicité. On a vu comment tu as chanté pour elle ici. Penses-tu que tu reposes des choses à Compressor juste parce que tu préfères Flore? Juste parce que tu soutiens Flore? Non. Fais jouer ton humanité. Avant de soutenir Flore, tu es une dame, tu es une maman, tu es une sœur, tu es une femme, tu es un être humain. Dis-toi que un jour j'ai parlé avec Perpétue, elle ne m'a rien fait. Elle a cette histoire avec sa sœur Flore dans les réseaux sociaux. Ça ne doit pas me toucher plus que ça. Maman Lily, contribue sur le lien de compresseur. Contribue sur le lien de compresseur. Ça ne changerait rien de l'amour que tu avais, Flore. Parce que Flore, que tu aimes aujourd'hui, que tu adores aujourd'hui, tu es venu la soutenir, soi-disant, elle était encerclée dans la toile. Es-tu heureuse? Prends-tu du plaisir de voir Compressor subir la même chose? Parce que moi, si j'ai été mal un jour par rapport à une situation, je n'aimerais pas voir quelqu'un d'autre vivre cette douleur. Parce que ça n'a pas envoyé les gens souffrir ou bien les gens ont fait du mal aux gens qui fait de toi une grande personne. Oui, Maman Lily. Contribue sur le PayPal de Compressor. Contribue dans la cagnotte de Compressor. Et ne reste pas caché. Dis que j'ai cotisé pour Compressor.
J'ai participé pour compresseur. Oui, maman Lily, vous pensez que vous tenez tout, mais c'est Dieu qui tient tout. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et Dieu bénit qui il veut bénir. Vous êtes personne. Nous sommes personne pour empêcher Dieu de bénir son enfant. Dieu va toucher le cœur de Camerounais et voir jusqu'à quel niveau la haine en train de prendre le dessus. Vous êtes enchaîné sur compresseur. C'est parce qu'elle n'est pas bamileke, elle mérite ça. À quoi compresseur sont ça? Je pense que la faute de compresseur, c'est le fait qu'elle n'est pas bamileke. Est-ce que vous et bamileke qui nous suivez, vous pouvez valider cette option que compresseur mérite de disparaître parce qu'elle n'est pas bamileke, elle est juste quoi? Non, n'acceptez pas ça. Faites-le comprendre aux autres. Bonsoir, Eton de Luz. Bonsoir, et toi, Krivien. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Partagez le direct. S'il vous plaît, partagez ce live. Que celui qui accuse le compresseur prend la parole et vient parler. Bénédicte. Dis-le pourquoi compresseur mérite cet acharnement. Pourquoi compresseur, on ne peut pas cotiser pour elle. Patricia Nana, appelez-moi, bipez-moi la maman des beaux gosses. Bipez-moi la maman des beaux gosses. Patricia Nana, bipez-la moi. Je vais tourner le poisson, j'arrive. Partagez le live. Bipez-moi, Patricia Nana, la maman des beaux gosses. On va se parler franchement. C'est Ndolé Niondo qui parle. Je n'ai nullement envoyé par compresseur Maléba pour faire ce live. Je vous parle en tant que blogueuse de cette toile. Ndolé Niondo qui prend la parole à son nom. Et j'ai pris cette initiative de moi-même. Compresseur ne sait même pas que je vais lancer le live. Parce que je suis aussi blogueuse que vous le voulez ou pas. Que vous le voulez ou pas. Cette page existe depuis 2009. Beaucoup d'entre vous n'avaient même pas de smartphone. Que je suis dans l'étoile, dans la toile. Oui, j'ai vu toutes ces filles-là arriver. J'ai vu toutes mes sœurs arriver, tout le monde arriver. Je peux vous dire, leur entrée, leur début, je pourrais me tromper sur deux, trois trucs, mais beaucoup vont dire que oui, elle était là, elle a raison. Patricia Nana, tu es arrivée dans les réseaux sociaux. Tu as choisi ton camp. Parce que oui, il faut dire, tu es proche de Tata Lolo. Et tu es resté proche de Tata Lolo. Par affinité ou par soutenance du village, je vais te le dire, je vais te dire ce que moi, je pense de toi, Patricia Nana, que tu le veuilles ou pas. Vous, vous savez dire qu'on devrait mieux être tribaliste. Mais Patricia Nana, tu es une tribaliste, ma soeur. Tu es une tribaliste, je vais te dire pourquoi je dis ça. Quand tu es arrivé dans les réseaux sociaux, tu as commencé à soutenir Tata Loulou, ta relation, ta soeur et tout ce qui va avec. Jusque-là, tout va bien. Et par ricochet, tu soutenais Flore. Oui. Quand Flore et Compresseur se sont mis ensemble pour faire la paix, Patricia Nana, tu n'as pas aimé. Tu n'as pas aimé. Tu as fait les sorties sur Flore. Tu l'as même clashé. Oui.
tu n'as pas aimé. Flore même t'a répondu. Lui, Patricia Nana. Flore t'a répondu que qu'est-ce que j'ai fait à la maman de vos gosses? Tu as clashé, mais tu n'as pas beaucoup insisté sur Flore. Certes, parce que c'est une bamléquée comme toi. Mais tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup tiré sur compresseur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup tiré sur compresseur. Sachez que vous êtes nombreux dans la toile. Mais les Camerounais ne sont pas tribalistes. Peut-être Dolé Miondo est tribaliste. Mais les autres qui nous regardent ne sont pas tribalistes. Ils observent, ils voient. Quand Flore, tu as commencé à clasher Flore, et ton problème avec Flore, c'est parce qu'elle a fait la paix avec Compressor, et tu n'as pas aimé. Compressor ne t'a rien fait. Tu ne la connais même pas. Tu n'as pas aimé, Patricia Nana. Tu n'as pas aimé. Quand Compressor a voulu un jour parler de toi, vite fait, parce qu'elle n'a vraiment pas fait un direct sur toi, pour montrer jusqu'à quel niveau elle ne te gérait pas. Elle, jusqu'à présent, elle ne te gère pas. Elle a dit, l'autre là même, tous les jours, elle me clash. Demandez-lui qu'elle me clash. Pourquoi? La maman de l'Ega là. Et toi, aujourd'hui, je t'ai entendu chez Dorcas. Je veux d'abord saluer ici le courage, la ténacité de Dorcas indiqué. Mado, merci. Merci Dorcas indiqué. Toi-même, une fois, tu as tenu ton live comme une vraie blogueuse. Comme une vraie blogueuse, tu n'as pas trébuché. Tu es resté dans ta position du début à la fin. Malgré les renforts, malgré tout ce qui s'est passé pour te détourner, tu es resté focus sur ton live et sur ta détermination. Merci Dorcas. Tu connais ta ligne éditoriale. Ta ligne éditoriale, ce n'est pas les clashs. Ta ligne éditoriale, ce n'est pas l'ombrakata. C'est la politique. C'est le bien-être de Camerounais. Et pour faire ça, tu as besoin de nous tous. Tu as besoin de tous les Camerounais. À un moment donné, la force et le courant de l'ethnie nous attire, nous ramène. Mais on est plus fort que ça. Parce que nous, on a connu ce qu'on appelle le vivre ensemble. Patricia Nana, j'ai entendu tes propos sur Dorcas. Je ne te permets pas de parler comme ça de compresseur, Patricia Nana. Parce que tu as tout dit de compresseur. Dorcas te posait même la question. Est-ce les autres ne sont pas tout ce que tu dis de compresseur? Tu étais incapable de répondre. Mais la vérité était là. Moi, je veux donc te rappeler, Patricia Nana. Tu as dit que compresseur va travailler. En aucun cas, Flore ne travaille. En aucun cas, Lolo ne travaille. En aucun cas, toi-même, Patricia, tu es venu nous montrer ici 2 jours de travail, tu t'es arrêté. Tu dis que tu as fait accident de travail, tu es assise sur toi. On connaît tout ça, comment ça se passe. Si tu étais vraiment accident de travail, tu n'allais pas être en train de tourner comme tu tournes là. On sait, le système là, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour nous tous. Mais on s'en fiche de tout ça. On t'a vu ici, tu as montré que tu travailles, ma chère. Je te promets, on t'a pas vu 1 an dans la position de celle qui travaille. Non, on t'a pas vu. On connaît les gens qui travaillent ici. Il y a la Rose 237 qui travaille. Elle nous a toujours montré comment elle travaille. Oui, mais toi, tu es venu quelques dic-dac, après c'est terminé. Pour nous sortir aujourd'hui que tu es en arrêt maladie, tu gagnes 2 500 € parce que tu es un accident de travail. Patricia Nana, tu n'es pas juste avec Compressor. Parce que la même chose que tu reproches à Compressor, les autres le font, mais on t'a même posé la question, tu étais incapable de dire. C'est parce que Compressor est quoi? C'est parce que Compressor n'est pas Bamléké. Seulement pour ça, oui, Patricia, ça se lit sur toi, ça se sent sur toi. Tu as cette
esprit de tribalisme là. Mais vous là, quand vous voulez juger, vous voulez parler, vous parlez de Noulem Yondo. Vous parlez de Noulem Yondo. Je vous laisse avec. Tu as posé à ma Théocas que avant que les autres font, il faut d'abord venir. Combien de fois, Patricia Nana, on a ouvert les sociétés à Maf au Flore de l'île ici sur Meta. Tu étais là. Tu étais là. FDL, combien de fois on a fait les cotisations pour soulever Flore dans Meta? Patricia Nana, soyez quand même juste. Compresso, c'est votre soeur camerounaise. Ne l'aimez pas, ne l'appréciez pas. Mais quand c'est. Il faut. Quand on parle, comme Dorcas s'est allumé son direct pour apporter le soutien, tu montes pour venir détruire tout le soutien que Dorcas amène à Compresso. Ma soeur, ça t'a donné quoi? Ça a changé quoi? Ça t'a rapporté quoi dans ta petite vie que tu vis avec tes enfants? On t'a posé la question, qu'est-ce que Compresseur t'a fait? Tu dis qu'elle a insulté tes enfants. Tu mens. Ma soeur, excuse-moi de te dire ça. Tu mens. Moi-même, tu m'as dit ça, que j'ai insulté tes enfants. Tu mens. Tu ne peux pas prouver ça. Il n'y a aucun direct où j'ai insulté tes enfants. Ni Compresseur a insulté tes enfants. Tu es venu avec le pseudo de la maman des beaux gosses. C'est ton nom de star de Facebook. La maman des beaux gosses. Tu penses que si tu m'insultes, je vais t'appeler la maman des beaux gosses. Si toi et moi, tu me manques de respect, je vais t'amener, je vais t'appeler la maman des lèvres gosses. Ça ne veut rien dire que j'insulte tes enfants. Arrêtez votre manipulation. Arrêtez votre manipulation, Patricia Nana, ça ne te rapporte rien. Tu es trop riche. Tu as tout ce que tu veux. Dieu t'a béni, allez, il t'a béni au retour. Mais quand tu vois que ta soeur, une autre soeur est en train de vouloir la soulever, et tu viens monter dessus pour la piétiner, que laisse-la tomber, laisse-la. Pourquoi tu fais les lèvres pour la soutenir, maman? Ça allait changer quoi dans ta vie? De voir Dorcas en train de faire un live, soutenir Compresseur. À quel moment ça te fait, ça touche ta vie, ma soeur, jusqu'à tu es venu t'installer dans le live pour détruire tout ce qu'on peut dire de bon de Compresseur. À un moment donné, vous faites même comment, mes soeurs, vous faites même comment, mes soeurs, pour arriver à ce point. Compresseur a déjà parlé de toi? Non, jamais. Tu ne peux pas, je te mets au pari, ma soeur. Me prouver. Quand tu vas venir me répondre, parce que je vous connais, à un moment donné, vous ne vous remettez même pas en question. Je suis en train de te parler comme une sœur. Tu vas vouloir m'insulter. Moi, je ne gère plus les insultes. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Ramène la vidéo où Compresseur est en train d'insulter tes enfants. Parce que moi-même, j'ai dit que quand tu m'insultes, je ne t'appelle pas la maman des beaux gosses, je t'appelle la maman des Legos. Ça ne veut à aucun moment dire que je suis en train d'insulter tes enfants. C'est le nom-là que je suis en train de transformer. Moi, je m'appelle Ndolé Miondo, m'appelle ici Ndolé Chikwa, Ndolé Mitumba, Ndolé Bobolo, Ndolé Foufou, Ndolé tout. C'est pas des insultes. Non. C'est pas les insultes. Ce n'est pas les insultes. Ah oui, on a dépassé le cap des insultes, tu m'étais. Quand tu viens avec le Sodome de la mère de Bogos, tu m'insultes, je t'appellerai la maman des Legos. Et c'est ce que Compresseur a fait. Moi-même, je l'ai déjà fait. Mais à aucun cas, ce n'était pas pour insulter tes enfants, Patricia Nana. Ne faites pas ça. La vie de Compresseur ne ramène, Compresseur ne ramène rien dans ta vie. Tu es à Paris, dans les beaux quartiers, dans le luxe insolent. Tu nous montres ça tous les jours, on voit. Comment tout est repris. Passé, tout est classé, lui 14, lui tout ce qui est luxe insolent. Le lit, tout, luxe insolent. Ma soeur, les compressions comme ça, tu devais laisser que les miettes là tombent au moins sur un manche. Tu penses que si tu balais tous les miettes là, les ancêtres là, tu es un bamleke, vous connaissez ce que c'est que donner la nourriture à la terre. Ça va te faire quoi, maman?
que Dorcas fasse un live pour soutenir Compressor, ma soeur. Ça va te faire quoi? Ça va changer quoi dans ton être? Ça va rajouter quoi dans ta vie? Tout au contraire. Tu allais rester comme ça, tu regardes. Ou alors, te taire et ne rien dire. Que de venir faire ce que tu as fait dans l'œuvre de Dorcas, maman. Pourquoi? Pourquoi? Tu prends l'exemple de Flore de Lille, de tout le monde. Tu as dit que les autres font les litchis, machin. Ma chérie, Flore de Lille, Magina Kinka, est la blogueuse qui a eu plus de dons dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas personne qui la peut. Elle est la seule et l'unique blogueuse qui a eu plus de dons dans les réseaux sociaux. Pas les dons qu'on lui donne. En dehors de ce qu'on donne de rien, c'est qu'elle est venue pousser ici que les gens cotisent. C'est pas autant on l'appelle mendiant. Mais Flore est entrée dans les réseaux sociaux avec un immeuble dans son compteur. Flore est entrée dans les réseaux sociaux en tant que propriétaire d'un immeuble dans son compteur. Mais ça n'a pas empêché que Flore fasse des appels aux dons. Et on a contribué. Moi-même, j'ai contribué. Je peux prouver ça. Parce que je vous ai dit que les contributions qu'on fait avec les litchis, les pépins, c'est les contributions qu'on peut prouver. On ne parle pas juste avec la bouche, on peut prouver qu'il y a eu telle collecte, tel jour, j'ai contribué tel montant, tel jour, comme j'avais mis pour la reine galloise ici. Comme j'avais mis pour la reine galloise ici. Mais ça ne veut pas de flanc humaniste. Ça ne veut pas de flanc tout ce que vous traitez compresseur. Les gens, passez dans le pépin de compresseur. Soutenons-la. Pour une fois, j'appelle ici à la sensibilisation, aux âmes fragiles, aux âmes pures, de contribuer dans la cagnotte de Compressor Maléba pour qu'on ouvre son restaurant. Ce n'est pas Compressor qui a demandé cette cagnotte. Non, la maman de Bogus. C'est la TKC qui a ouvert la cagnotte à Compressor. S'il vous plaît, les abeilles, contribuez dans la carrière de Maman Pépé. La team de Lolo, tous les sympathisants qui sont sur Meta, contribuez dans la cagnotte de Compressor. Qu'elle ouvre son restaurant. Oui, contribuez. Patricia Nana, si tu ne connais pas l'histoire de Facebook, ma soeur, vaut mieux que tu regardes, tu observes. Tu as trop valorisé Flore chez Dorcas. Mais Flore, ce que Flore a reçu ici, dans les litchis, dans les PayPal, dans tout ce qui va avec, aucune blogueuse n'a atteint ça, le record. On a vu ici les 10 000 euros. Tantôt, on dit que c'est les gens qui mettaient pour récupérer, on ne sait pas, mais on a vu avec nos yeux. C'est pas qu'on nous ait dit. C'est pas qu'on nous ait dit, Patricia Nana. Excusez-moi, je suis en train de faire, je vous ai dit que je fais le poisson aux enfants. Patricia Nana, vous faites même ça pour moi. Oui. Mafo. Flore, excusez-moi, hein, ma soeur, de parler de toi. Parce que dans les réseaux sociaux, si tu as une référence, il ne faut pas que chaque fois qu'on parle de toi, ça doit être toujours prendre mal dans tout. Tu as une référence. Et chaque fois qu'il faut que quand on refait les... On parle des choses, on doit toujours te parler. Des abeilles, et puis peut-être toi-même, vous allez prendre mal. Mais tu es une référence, Marco. Il faut que ceux qui viennent d'arriver sachent qu'il n'y a pas une blogueuse qui a eu les dons ici comme toi. On ne peut pas
compter les multiplications des litchis. Le litchi d'anniversaire, le litchi de voix bébé, le litchi de lit. On a acheté le même. Patricia Nana, ouvre bien tes oreilles. On a équipé la maison de fleurs. On a acheté le lit à fleurs. Les abeilles, on a mis les litchis de voiture. On a mis quel genre de litchi on n'a pas mis pour ma poésie. Toi qui la félicite aujourd'hui, ça faisait d'elle demandante. Ça faisait d'elle de tout. Tout ce que vous dites que compresseur est aujourd'hui, non. C'est juste que vous n'êtes pas juste. C'est ça qui n'est pas bien. Vous n'êtes pas juste. C'est ça qui n'est pas bien. Patricia Nana. Je te signale, Fleur est la seule blogueuse qui est entrée ici avec un immeuble sur son dos. Mais ça ne l'a pas empêché de faire les litchis chaque année de son anniversaire. Chaque année de son anniversaire, de faire les litchis pour louer sa maison, de payer son loyer tous les mois, d'acheter ses chaises, ses tables, équiper sa maison. Les litchis, là, on a posé ça ici, les gens ont contribué. Pourquoi vous faites ça? Venez, on parle. Venez me dire ce que vous reprochez. Compresseur. Parce que moi, je parle à Patricia parce que j'ai entendu, on lui a posé la question. Elle a répondu comme elle a répondu là. Et moi, je suis venue, je suis en train de la répondre aussi. Patricia Nana, tu veux qu'on parle de Tata Lolo? Tata Lolo. Elle a aussi fait les litières. Vous voyez, tout le temps, Tata Lolo demande qu'on soutienne pour la télévision. Hein. Tout le temps, Tata Lolo demande qu'on soutienne pour la télévision. Hein. Même encore hier, qu'elle a fait l'émission, elle a demandé que soutenez les Lolomaniens, les sympathisants. Soutenez-moi pour la télévision. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Faites d'elle d'une mendiante. Faites d'elle de celle qu'on ne doit pas. Elle n'a pas, elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas. C'est celle qui demande trop. Elle en fait trop. C'est celle, ouais, mes soeurs, ouais. Comment vous faites ça? Vous dormez chez vous? Avec vos enfants, vous animez Facebook? Vous fusillez comme ça et puis vous rentrez chez vous, vous restez, vous renflez? Tu t'es vu dans le direct de Dorcas? Va revoir le direct, ma soeur. Dorcas est même un focus dans son élan. Tu faisais tout. Pour disperser. Maman, va regarder le live de Dorcas, ton intervention chez elle. Vous faites ça comment? Compresseur, t'as fait quoi? Compresseur, t'as fait quoi? Tu penses que la vie que tu as apportée là pour aller à la soirée de Flore, si Compresseur ouvre ce restaurant, tu ne peux pas porter le même habit pour aller soutenir Compresseur? Si on fouille la soirée là où tu étais, le 2, tu es sûr que c'est l'agent de Flore à 100% qui a fait cette soirée? Non. Je mets ma main coupée. Mafo, désolé, hein? On se connaît tous ici en détail. Je mets ma main coupée. Ce n'est pas l'agent de Flore 100% qui a fait cette soirée. Ça ne veut pas dire que Flore n'a pas travaillé sur la soirée. Elle a bossé. On l'a vu. Mais ce n'est pas son agent à 100% qui a organisé le 2 novembre. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Même l'année passée, ce n'est pas l'agent de Flore. Moi, je connais beaucoup de choses, mais je ne viens pas dire ça. Ça me concerne pas. C'est le business. Les gens font leur business. Tant que Flore mange un peu, les autres aussi. Et puis, je m'en fous. Je m'en fous. Je salue ici Marceline, la femme de Bouya. Du restaurant Le Refuge. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, Patricia? Tu ne veux pas soutenir Compresseur, mais laisse ceux qui veulent la soutenir, la soutiennent, ma soeur. Pourquoi vous faites ça? Mathéo, vous pouvez venir manger, hein? Je vais finir.
peux venir manger, j'ai fini. La soirée que tu étais là le 2 novembre, tu es sûr que c'est Flore qui a dépensé jusqu'au dernier sou pour organiser cette soirée? Non. On lui a donné un coup de main. Il y a les gens derrière. Et tout le monde le sait. Ce n'est même pas un débat. Ce n'est pas un débat. Tout le monde le sait. Je le dis parce que la soirée de l'année passée, j'ai mes gens du sang, de chair, qui étaient derrière ça. Oui. J'ai mes gens de sang, de chair, qui étaient derrière ça. Mais je ne suis jamais venu parler de ça. Je ne suis jamais venu parler de ça. Pourquoi venir parler de ça? Pourquoi? Patricia Rana, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que Compressor t'a fait? Ma soeur, arrête sa haine. Montre Compressor, montre-la un peu. Montre-la où? Où vous avez dit que est-ce qu'il y a un concours pour être boule ou montrer à Compressor le concours pour être bamléqué, pour qu'on la soutienne aussi dans cette toile. Montrez-nous, montrez à Compressor le concours pour être bamléqué, pour qu'on la soutienne aussi dans cette toile. Vous ne voyez pas que c'est trop fragant? Ça se voit à l'œil nu, ça se voit à l'œil, même l'aveugle a vu. Même l'aveugle a vu ce que vous faites à cette fille. Montrez-lui aussi, montrez à Compressor le concours d'être bamiléqué pour qu'on la soutienne aussi. Montrez-lui. La seule erreur que la fille a faite, c'est qu'elle n'est pas bamiléqué, elle aime quoi. C'est la vérité. Mes gens, mes amis, les gens, mes bamiléqués qui sont ici, vraiment, si je mens, montez, venez dire qu'un dollar, tu m'as, je vais vous donner mes arguments, et je vais vous montrer de A plus B que ce que je dis est vrai. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Compressor, elle est là pour tout le monde. C'est quand même la première blogueuse à commencer les dons ici. Compressor a commencé avant même la reine galloise. Compressor a commencé les dons ici avant la reine galloise. D'où est venu le nom de Mandia? Parce qu'elle mendiait pour aller faire les dons. Vous l'avez boycotté. Vous avez dit qu'elle vaut l'argent des enfants. Vous avez dit, mais elle partait quand même, elle faisait. On donnait combien? Malgré tout, elle partait faire les dons. On a boycotté. Mais quand la reine galloise est venue, vous avez vu? Vous allez dire que, oh, le quoi? Allez faire pour vous. Allez, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Moi, quand j'ai donné à la reine galloise, je n'ai même pas regardé qu'elle est bamlékée ou pas. J'ai regardé que c'est ma soeur camerounaise. Elle a amené un projet et je me suis reconnue dans ce qu'elle a amené. J'ai contribué. Pas une fois, pas deux fois. Et j'ai eu les bénédictions de ça, les gens. J'ai eu les bénédictions de ça. J'ai eu les bénédictions. Édition de ça. Mais est-ce que j'ai regardé que la porteuse de projet, elle est d'où? Que ça va valoriser qui? Mais aujourd'hui, vous avez même pris le Ice Dala. Vous avez transformé ça en ethnie. Faut qu'on se dise la vérité. Vous n'êtes pas sincère. Vous avez pris Ice Dala. C'est comme si c'est un territoire des gens de l'Ouest. Il suffit que tu viens même reprocher un truc à Maranga. Oh, ça part de tous les sens. Mais vous avez pris Compressor qui a commencé les dons ici où on a boycotté. On a mis tout. Les barrages. Vous avez pris ici. Vous avez donné le nom de Mandian. Que si Dieu est le Dieu vivant, si le Dieu que vous priez là est le Dieu vivant, que le Dieu l'a rempli la cagnotte de Compressor, les gens voient. Seigneur, pour une fois, fais les honte. Seigneur, pour une fois, donne-le la honte. Dis donc, Compressor aussi mérite. Elle a fait, si on a vu.
Compressor mérite la fin, on a vu. Non, mais attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Compressor aussi mérite. Elle a fait ici, on a vu. Qu'est-ce que c'est le Seigneur, le Dieu que vous priez là, le Dieu là est Dieu qui remplit la cagnotte de vos compressions d'un biche. On quitte ici. La fille là ouvre son restaurant. La fille là ouvre son restaurant. Trop, c'est trop. Ou parce qu'elle ne mérite pas. Combien de fois je dis que Tata Lolo, ta télévision, Tata Lolo. Même si on la chahute un peu, mais il n'y avait rien de méchant. Bravo. Tu es venu dire qu'on a appelé pour boycotter la soirée. Ta soirée que tu as fait là, Mafo, c'est une soirée qu'on a boycottée. À un moment donné, ma soeur, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je vous aime beaucoup, mais vous faites les choses que je ne sais pas. Mafo, la soirée qu'on a vue là, c'est une soirée qu'on a boycottée. La soirée qu'on a vue avec nos yeux là, le bim là, c'est une soirée qu'on a boycottée. Les gens maintenant ont commencé à dire que, oh, ils ont appelé la police pour boycotter la tête cassée. Qui a fait ça? La tête cassée. La tête cassée. Tu sais bien que quand tu viens dire des trucs comme ça, tu es déjà arrivé au niveau de blog que il y a les choses que tu dois noyer. Tu ne dois même pas faire sortir ça. Parce que tu dois être une rassembleuse, ma soeur Flo. Tout ça. C'est pourquoi? Quel est le plan qui est caché derrière? Le plan derrière tout ça, c'est quoi? Oh, c'est la tête cassée. C'est les gens de compression qui ont appelé pour boycotter la soirée. Les gens de la compression. Oh, ça part dans tous les sens. Mais la soirée qu'on a vue là, ma soeur, c'est une soirée qu'on a boycottée? Non. Non, mamie, n'insultez pas la bénédiction de Dieu. Ma soeur, n'insultez pas. Dieu bénit qui il veut. Et il va bénir compressor. Amen. Dieu va bénir compressor. Amen. Et ça serait la bénédiction de siècles où elle ne va plus jamais, jamais se rabaisser. Dieu va aussi bénir compressor. Amen. Amen. Dieu va aussi béni compressor. Amen. Est-ce que je vois le tweet de Eva Smith? On a dit que tu mets combien là? C'est le truc de... C'est le PayPal? Si ça veut pas, tu que un profit que je connais de la TK, c'est m'écrit que oui, c'est ça. Et me met ça en bas. Je veux cliquer ça. Mettez, laissez aussi que compressor aussi sourit un peu. Elle n'a rien fait de méchant. Elle a fait tout ce que tout le monde a fait. Et les gens, même, il y a même les gens qui ont fait pire. Compressor aller à Koundé, lui donner les dons, on a vu. Compressor aller à aider à donner les dons, on a vu. Elle est allée dans les orphelins donner les dons, on a vu. Ils ont donné. Elle a donné, on a vu. Mais quand vous parlez des dons, vous parlez que de la reine galloise. Vous ne parlez même pas de compressor. Hein. Ça fait même que ceux qui viennent d'arriver sur Meta ne sauraient même pas que compressor, c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a ouvert le chemin. Mais vous avez soulevé la reine galloise parce qu'elle est née du bon côté et elle est née parmi les bonnes gens. C'est pas grave. C'est le Seigneur qui nous est tous créés. C'est à lui qu'on va demander les comptes. C'est au Dieu vivant qu'on va demander les comptes pour voir si effectivement compressor est né du mauvais côté. Oui, c'est au Dieu. Parce que vous tous, là, quand vous dormez chez vous, là, vous priez pour vos enfants, pour vos familles, ceux qui sont malades, vous priez, vous faites tous ces prières. Mais Dieu serait le vrai juge.
Et c'est la fin qui justifie les moyens. Et ton de lui, pardon, si le truc là, tu me dis, je veux mettre ça là. Je veux laisser la maman de Bogos contribuer sur le PayPal, contribuer sur le Orange Money pour soutenir l'œuvre de Compressor. Elle le mérite aussi. Compressor le mérite aussi. Comme tout le monde l'a mérité, elle le mérite exactement. Pareil. Contribuer. J'appelle ici toutes les teams, tous les sympathisants, contribuer pour Compressor. Elle mérite aussi d'avoir son restaurant. Oui. Que ce soit elle qui a demandé, que ce soit la TKC, elle le mérite aussi parce qu'elle a fait aussi les choses qui nous ont plu. Elle n'a pas que fait du mauvais. Elle n'a pas que fait du mauvais. Parce que si on met tout le monde dans un kilo, on va voir que pour Compressor ne serait même pas la deuxième dans la balance. Elle ne va même pas peser en deuxième position dans la balance. Voilà. Donc, contribuer pour soutenir Compressor Maliba, elle le mérite. Je peux aller de l'autre côté. Bonsoir, Mayam, sœur. Comment tu vas, ma belle sœur? Bonsoir, Adolé. Bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup qui, en voyant mon nom, selon qui je suis. Moi, j'ai quelque chose à dire. Vous savez, un adage dit que dans la vie, quand tu es très juste, quand tu es vrai, les gens ne peuvent pas t'aimer. Et c'est le cas de Compressor. Comme je dis toujours, je suis une ancienne TKC. Quand Compressor arrive sur Facebook, nous sommes les premiers. Je suis sur Facebook depuis 2009. Oui. C'est parce qu'aujourd'hui, on est en retrait dans les machins, les mariages, les formations et tout ça. Mais sinon, je suis en retrait, mais je vois ce qui se passe. Quand j'ai le point de vue à donner, je viens, je donne. Compressor a un problème sur la toile. Elle a choisi de construire une vie de famille, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Elle a choisi d'aimer le mariage, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Pas le passé. On n'est pas en train on ne veut pas entrer dans sa vie parce que chacun a un passé sombre, chacun a un passé clair. Elle a choisi, si jamais elle a eu un passé sombre, de passer du côté obscur au côté clair. Je dis aujourd'hui, si Compressor n'avait pas une vie de famille, dont un compagnon et un enfant dont elle s'occupe, je pense qu'elle-même, elle sortirait peut-être chercher ses contrats de la plus belle des manières et de la plus propre des manières. Pas en allant commander ou en sabotant les gens. J'ai pris le temps d'écouter Compressor, de comprendre Compressor. Compressor a toujours dit aux gens sur Facebook, il y a des insultes que si vous m'adressez, quand je sors sur vous, je vais dans tous les sens et je vais en vrai. Donc, je ne suis pas dans le game. Et c'est ça que les autres n'arrivent pas à comprendre. C'est pour ça que vous l'appelez haineuse. Parce que quand elle commence à clasher, elle clash avec tous ses tripes et toute arme, elle applique. Parce qu'elle vous a toujours dit, elle n'est pas dans le game. Parce que si on est dans le game sur Facebook, vous n'allez pas parler de grossesse, vous n'allez pas parler de sang, vous n'allez pas... Quand on dit qu'on est dans le game, on surfe sur le game qui ne va vexer personne et on s'arrête là. Mais non, vous allez plus que ça. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le game. Si vous appelez l'assistance sociale sur l'enfant de quelqu'un, ce n'est plus le game. Si vous insultez une femme qu'elle n'accouche pas, ce n'est plus le game. Oui, vous pouvez dire qu'elle est mendiante, c'est une injure comme les autres. Mais il y a des injures qu'on n'adresse pas à quelqu'un sur Facebook. Ça fait mal. Deuxième point, le fait que tu ne sois pas Bamileke, je suis Bamileke. Dolé Miondo, tu m'as vu, on s'est vu. Je sais. Tu sais où tu m'as vu. Je sais. Voilà. Je suis Bamileke. Sylvain. Mais il y a un tribalisme sur Facebook qui ne dit pas son nom. Je le dis et j'assume. Qui ne dit pas son nom?
J'ai pas compris, Mayam. Il faut un peu reprendre la partie là, comme j'appelle. Je dis que je suis Bamileke. Oui, je sais. Mais il y a un tribalisme criard qui existe sur Facebook qui ne dit pas son nom. Mais ce que j'ai envie de dire aux frères et sœurs ici, c'est que le tribalisme n'avance à rien. C'est la raison pour laquelle le Cameroun sera comme elle est. Parce que nous, c'est bien beau d'encourager. Attends, Maria, je vais répondre à la prophétie. Ma jolie Vongo, c'est un Vongo, c'est qui? Ma jolie Vongo, je vais te dire quelque chose. Compresseur, on a commencé à appeler compresseur mendiant parce que compresseur mettait des cagnottes pour aller donner aux orphelins. Sachez-le bien, c'est là où compresseur se retrouve avec le nom de mendiant parce qu'elle faisait les cagnottes pour aller donner aux orphelins. Mayam, je te laisse continuer. Il faut souligner cette... Je vais même revenir sur ce côté de mendiant là. Compresseur n'a jamais toqué la porte de quelqu'un pour dire donne-moi. Une fois, quand elle était encore à Paris, je me rappelle, elle avait fait un direct où elle a dit qu'elle allait au Cameroun et elle comptait utiliser la petite notoriété qu'elle a pour faire des bonnes choses. Cela a toujours été son rêve. Je vais au Cameroun, ceux qui ont des médicaments et des enfants, des habits des enfants qu'on ne porte plus, j'ai envie de faire un don, vous donner. Les gens se sont proposés. D'autres sont allés jusqu'à donner de l'argent, jusqu'à lui proposer de l'argent. Ce n'est pas qu'elle est allée toquer la porte de quelqu'un pour prendre. C'est à partir de là qu'elle a commencé à dire, ok, si vous me donnez pour aller donner aux autres, ça ne me ferait pas du mal. Je donne et je viens vous rendre compte. Voilà l'expression. Voilà l'expression. Et les gens ont directement pris ça pour dire qu'elle mendie. Elle a dit, ok, si je mendie pour aller donner aux autres, ok, appelez-moi mendiante. J'entends les gens sur Facebook dire ici, oui, elle ne fait pas d'enfant. Nous avons vu compresseur enceinte sur Facebook. Nous, on était préparés à faire le trousseau. Oui, oui. Nous avons vu qu'on peut être enceinte sur Facebook. Que les gens arrêtent. Et je voulais dire que le tribalisme qui existe sur la toile. Ben, on appelle ça que quoi? Il faut fermer ton micro pour qu'elle finisse de parler, pour que ça, comme il y a le retour, quand vous montez, vas-y, Mayam. Le tribalisme qui existe, c'est pour ça que vous me voyez, je ne fais aucun soutien. Parce que je ne peux pas avoir dans ma famille des Bassa, des Boulou, des Albinos, des Nordistes et venir faire le tribalisme sur Facebook. Non, non, non. Non. Je ne déteste personne parmi elles. Mais je dis encore et encore que mes soeurs Bamileke sont très tribalistes. Donne-le là-bas. J'ai vu un direct. Il n'est pas obligé. J'ai vu un direct de la dame qui s'occupe des enfants autistes au Cameroun, une fois dit que 90% des gens qui cotisent pour ces gens, c'est les Bamileke. Moi, ça m'a choqué. Moi, ça m'a choqué beaucoup. Quand je sais les qui cotisent tout le temps pour elle, quand je sais les qui donnent, même ma belle-mère dans cette maison a cotisé pour elle. Oui. Oui. Elle n'est pas Bamileke. Okay? Mais elle a cotisé pour elle. Donc on arrête ce genre de comportement. Arrêtons ce genre de comportement. Compresseur, tu ne dois rien à personne. Et qu'on ne t'affecte pas avec tout ça. Ouais, Mayam, je suis dépassée. On ne t'affecte pas avec tout ça. Moi, ça me répugne. En fait. Ça me répugne. Vous êtes prête? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous faites là, si demain la fille tombe, elle meurt. Pour m'insulter avec, c'est que j'ai même déjà coulé les larmes. Si demain la fille tombe, elle meurt, vous allez dire non, on l'aimait, hein, on la charriait. Vous mentez. Vous avez de la haine. Vous n'êtes dans aucun game. Vous avez de la haine profonde pour cette fille. Et c'est pour ça que quand elle se défend, elle n'a pas de limite avec vous. Oui. Quand elle se défend, elle n'a pas de limite parce que vous la cherchez trop. Vous la cherchez beaucoup. Elle a clashé
J'entends quelqu'un dire là qu'elle a clashé mes sangs. Elle a clashé mes sangs parce qu'elle avait, elle était fatiguée de demander à son grand frère, laisse tomber le problème. Et il est allé jusqu'à là où il ne fallait pas aller. Elle est sortie du trou. Il faut se dire les vérités souvent. Il faut se dire les vérités. Quand elle a tort, je vais dire qu'elle a tort. Quand elle a raison, je dirais qu'elle a raison. Parce que quand tu aimes quelqu'un, prends la peine de lui dire la vérité. Oui. Si son grand frère l'avait écouté, on n'en serait pas arrivé là. Oui, oui, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Mayam, Mayam, disons donc que le grand frère n'a rien fait. Elle a clashé oui. Le grand frère. Oui, ça mérite même... sa pendaison. Dites, répondez. On va la tuer, on va la pendre. Est-ce qu'on va la pendre? Ça mérite son kilam. Est-ce qu'on non, mais on va la pendre? Est-ce que ce qu'elle a fait au grand frère, alors dit, acceptons, hein, Mayam, acceptons qu'elle a tout fait de méchant à son grand frère, ça mérite ce qu'elle vit. Ce aujourd'hui, vous l'avez traité de mendiante. Elle a signé un pseudo contrat avec quelqu'un qu'elle croyait avoir un contrat. Mais à cause de tu la perte de sa part, on en arrive là aujourd'hui. Parce que parler, ma grande. Tout ce qui arrive à comprendre. Tu montes, tu viens, on discute. Parce que c'est trop facile tout de répondre comme facile. Ça. Viens, on discute, ma soeur. Parce que ici, c'est pourquoi vous mettez la tête de moi? Ne mettez pas. Ne mettez pas les têtes de moi. Odile, monte, on discute, on va parler de toi et moi. Tu vas t'exprimer. Maya, ne quitte pas. On va donner la parole à Louise, elle aussi, elle dit ce qu'elle pense. Odile, je t'ai envoyé l'invitation. Accepte l'invitation. Tu montes, on discute. C'est un post sur ma page où j'ai dit à compresseur, tes problèmes avec l'autre ont commencé quand tu as perdu ta page. Et vous allez tourner. Et vous allez tourner, c'est ta page qui amène l'autre à faire tout ce qu'elle fait aujourd'hui là. Oui, c'est ta page. C'est pas que tu as fait que tu n'as rien fait, c'est ta page que tu as perdu là, qui a tout changé dans la tête de la dame. Oui. Monte, Odile, monte, tu viens, on discute. Accepte l'invitation, je t'ai envoyé l'invitation. Accepte, tu montes, on discute, ma soeur. Tu refuses l'invitation. Vous écrivez, oui, ça mérite. Tu dis que ce qu'elle a dit à son grand frère mérite ce qu'elle subit là. Monte alors, parce que j'ai aussi les questions à te poser. Comme ça serait facile de répondre, de vivre voir comme ça, que de répondre sur le par écrit. Monte, on discute, parce que le panel est ouvert à tout le monde. Je vais te répondre. Attends une fois, attends un peu, Mayam. Majolie, je vais te répondre. J'ai dit ici, en début, que chacun parmi nous, même moi qui parle là, j'ai des vieilles casseroles dans mon armoire. Elle a fait du mal à son grand frère. Son grand frère lui a fait du mal. On ne dit pas qu'elle a eu raison. Je suis désolée. Je ne dis pas qu'elle a eu raison. Non. Mais je dis, c'est arrivé à un moment où elle était fatiguée de lui parler. Et c'est allé dans tous les sens parce qu'elle défendait son pain quotidien. Parce que même moi, si on me donne mon travail et que je suis fatiguée que vous m'appelez mendiant sur la toile et que j'ai trouvé un travail qui me permet de vivre. Ne me poussez bon, pas. Mayam, un peu Odile, elle est montée. Bonsoir, Odile. Salut, Ndolo, comment tu vas? C'est Ndolo, c'est pas Ndolo, s'il te plaît. Bonsoir, Louise. C'est Odile, je sais pas qui. Ah, ok. Bon. Non, mais en fait, je pensais que ma page était bloquée. Mayam, Louise, donne quelques minutes. Hein. On va d'abord écouter notre sœur ici. Toi, tu es de d'accord. La famille. Okay. Mayam, ne pas par reste là. Non, je suis là. Odile, oui. Tu as écrit tout à l'heure que ce que Compresseur a dit à son grand frère mérite sa pendaison. Je te laisse la parole. D'accord. En fait, il y a l'intervenante qui a soulevé un sujet sur lequel moi-même je suis quelque part d'accord. Mais en quelque sorte, Compresseur a cherché la plupart de ses problèmes. Je vais t'expliquer. Alors, l'intervenante qui a dit il y a quelques minutes qu'il y a un grand tribalisme, un grand tribalisme sur la toile. Je l'ai rejoint, je lui ai dit, je suis d'accord à 100% avec toi, qu'il y a un très grand tribalisme sur la toile.
très très grand. Il y a certaines personnes qui en profitent. Il y a certaines personnes qui font les pubs des autres personnes. Il y a des gens qui prêchent le vivre ensemble du moment où c'est eux qu'on propulse devant, mais ils ne font pas la même chose pour les autres. Moi, je te parle, je te dis la vérité, je suis une ancienne TKC. J'ai toujours supporté Compressor. J'ai jamais été en faux profil, mais en vrai profil, j'étais une TKC. J'étais toujours, quand elle était avec tonton Achille, tout ça, les commentaires, tout ça. Bon, Compressor avait, malgré qu'elle vivait le tribalisme de certaines personnes, elle avait au moins une couverture qui était les gens de sa tribu. Les Bassas supportaient beaucoup Compressor. Tu sais, même quand le dehors te rejette, si tu as encore l'amour des membres de ta famille à l'intérieur de la maison, tu as encore un peu de force. Compressor a complètement tout perdu le jour où elle a clashé son grand frère Jean-Louis Messin. C'est-à-dire, même le peu d'amour qui lui restait à l'intérieur de la maison, qui étaient les nous, qui, malgré que c'était, il y a des moments où elle dérapait, mais on la supportait parce que, on va se dire, comme les gens disaient, la sœur du village, on la supportait dans certains déraillements parce qu'on disait, ça, c'est notre sœur. Mais quand elle a clashé Jean-Louis Messin, avec des paroles jusqu'à insulter ses enfants, dire que les enfants ne sont pas ses enfants, je te dis, pas seulement moi, je parle avec la voix de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se sont retirées derrière Compressor. Elle a perdu l'amour des siens, en fait, pour dire. Bon, il y a une sœur qui a dit quelque chose. Elle a dit, quand M. Messang a commencé à faire des problèmes avec Amélie, M. Messang est allé, Compressor a dit, voulait que M. Messang arrête le problème. Et M. Messang est allé quand même loin. C'est ça qui a fait créer la sortie de Compressor. Moi, ce que je dis, c'est que Compressor aurait assez gagné si elle n'était pas entrée dans ce problème. Si elle avait fait vu ignorer, c'est-à-dire ne disons même pas que supporter mes sangs, c'était mieux qu'elle ne le supporte même pas, si elle voulait. Parce que normalement, à la logique, elle devait supporter mes sangs. Parce que mes sangs connaissaient Compressor avant Amélie. C'est Messang qui met Amélie et Compressor en contact. C'est-à-dire, quelqu'un vient te présenter une personne. Du jour au lendemain, les deux personnes commencent à se quereller. Toi, tu préfères prendre le parti pris de la personne qu'on t'a présentée, pas la personne que tu connais depuis des années. Compressor était libre de dire, je ne supporte même pas mon grand frère, d'accord. Ma soeur, Odile. Oui. Tu es en train de nous expliquer ce qu'on a tous vécu ici. D'accord. Moi, ma question, c'est quoi? Tu as écrit dans ton commentaire que, par rapport à ce que s'est passé avec le grand frère Messang et Compressor, elle mérite le kidam. Je veux que tu aies cité que, parce qu'elle est entrée dans les problèmes, Je veux que tu me donnes deux ou trois choses que tu as entendues Compressor dire qui mérite son kilam, s'il te plaît, avant qu'on continue, maman. Qui mérite son kilam, ma chérie? Par exemple, le moment, on est en train de la tuer. Compressor est en train de vivre le même acharnement que beaucoup. Toutes ces vlogueuses-là vivent le même. Lolo a vécu le même acharnement. Flo a vécu le même acharnement. Compressor est en train de vivre le même acharnement. Pour le moment, personne ne lui a mis un couteau sous le cou. Quand tu dis son kilam, on dirait que des gens ont envoyé des braqueurs devant sa porte. Ce que Compressor est en train de subir, Lolo a subi ça ici il y a une certaine année. Flo a subi ça ici. Il y a eu un moment où Flo a subi aussi l'acharnement où, quand Flo se mettait même quelque part, personne ne voulait se retrouver sur une photo avec elle. Tu comprends ce que je veux dire? Son kilam qui est en train de la tuer. Personne n'est en train de la tuer. Bon, tu sais quoi, ma soeur? Odile. Je vais continuer. Odile. Attendez, je vais vous laisser là poser les questions. Je vais poser encore deux. Un, tu n'as pas répondu à ma question. Tu as parlé autre chose. On est d'accord. Je t'ai posé la question. Tu n'as pas répondu. Tu as parlé autre chose. Je vais revenir sur ce que tu es en train de dire. Donc, comme on a accélé Lolo, on a accélé Flore. C'est une très bonne chose à féliciter, à donner les grades. C'est le tour de Compressor. Après, ce sera mon tour. C'est ce que tu es en train d'insinuer. C'est une très bonne chose. Je ne suis pas en train de cautionner. Non. Ne me prête pas des paroles que je ne t'ai pas dit. Je n'ai pas dit je cautionne. Écoute, je ne t'ai pas dit je cautionne l'acharnement. C'est deux choses différentes. Mais tu ne m'as pas demandé. Quand je te pose la question, tu as dit ceci. Je t'ai demandé que tu as écrit, hein, c'était bon, tu as écrit, c'est là.
Qu'est-ce que Kouba Pepe a fait qui mérite qu'on la quitte? Est-ce que Pascal a insulté? Vous avez dit que Pascal a insulté son frère. J'ai reposé la question. Est-ce que ce qu'elle a insulté son frère mérite le kill? Tu as écrit oui, ma soeur. C'est pour ça que je te fais monter. Donc, commentaire là. Je peux aller maintenant. J'ai un deuxième téléphone. Je retrouve ça. Elle mérite. Elle est en train de vivre l'acharnement qu'elle a créé. Parce qu'il y a des choses qu'on fait souvent. Hein. Ou par erreur, ou par subisse, ou par haine, ou c'est pourquoi, mais on ne voit pas l'impact que ça fait, ma soeur. Quand je t'ai fait monter, tu as parlé plutôt de ce qu'on connaissait. Je voulais encore te ramener sur ce qui m'a fait te monter, faire monter, parce que le but de direct, c'est ça, que les gens viennent disent ce qu'ils reprochent à compresseur qui mérite que tout l'actuel Camerounais, sans exception. Mais c'est ça que j'étais en train de te dire. Tu m'as dit que j'ai pas besoin de toi. Donc, tu dis, on doit te dire ce que compresseur a fait pour mériter ce l'acharnement. Mais non, je te dis ce qu'elle a fait. Tu as dit que non. Elle se mêlée de frère, les histoires de son grand frère, non? Non, 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 c'est pas ça qui mérite son acharnement. Écoute ce que j'ai dit. J'ai dit, compresseur avait un soutien. Je ne dis pas que c'est parce que elle s'est forcément. Tu n'es pas en train de. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Quand quelqu'un d'autre prend la parole là-bas, lui pose la question. Compresseur avait un soutien. Qui pose la question. Comme toutes les victimes. Elle a perdu complètement la majeure partie de son soutien, je répète encore. Parce qu'elle a insulté son frère, non? Mais oui. C'est ce que je suis en train de dire, non, maman? C'est ce que je suis en train de dire, c'est ce que tu es en train de dire, qu'elle mérite ça parce qu'elle a. C'est la couverture de son frère qui. C'est parce que. C'est ce que tu es en train de dire, ma soeur. Vas-y, pardon, que quelqu'un d'autre lui pose la question. Odile. Oui. Ce n'est pas une question que je vais te poser, mais je vais juste te dire quelque chose. Aujourd'hui, tu dis que Compresseur a insulté M. Messin et tous les bassins sont quittés derrière elle, n'est-ce pas? Ce que j'ai envie de te dire, c'est que... Allô? Quelqu'un dit que tu es détracteur. Je ne suis pas détracteur. Je n'ai pas une question à poser. Je vais juste souligner quelque chose. Je descends. Je n'ai même pas une minute. Vas-y. Oui. Toi, parle. Odile, attends. Elle parlait de tel là depuis. Oui, vas-y, ma grande. Moi, je suis montée pour dire que je suis en train de taguer la TKC avec le lien de la cagnotte de ma pépé. Personne ne confirme si c'est sa cagnotte. Parce que Nolène ne me connaît pas. Elle peut refuser de d'épingler la cagnotte de la TKC, mais je tague les gens sous mon commentaire. Personne ne confirme que oui, c'est la cagnotte de ma pépé. C'est ce que je voulais dire. D'accord, c'est pour ça que je n'ai pas épinglé ça, ma chérie, parce que personne ne m'a confirmé. Oui, mais j'ai tagué Eva Smith, j'ai tagué les gens. Et c'est la cagnotte de qui? Tu as pris ça où? J'ai pris ça sur le mur de Christian de Monaco. Et si une personne de la TKC peut cliquer sur le lien, va voir et vient te reconfirmer. Vas-y, va vérifier. Toi-même, va vérifier. Tu viens me reconfirmer. Demande à une personne de la TKC de vérifier mes commentaires ou d'aller sur le mur de Christian de Monaco, copier le lien, mettre sur les commentaires, tu épingles. Vas-y, toi, va. Ok, on a compris. Ils ont compris. Toi-même, okay. va vérifier. Je voulais dire à Odile, à ma soeur Odile, que tu dis que tous les bassins sont quittés derrière compresseur parce qu'elle a insulté mes sangs, n'est-ce pas? Moi, ça me fait par contre rire. Pourquoi? Parce que si toi, Odile, tu es ma petite soeur, quand je dis petite soeur dans la maison, on est d'accord? Si tu es ma petite soeur, et que notre grand frère à tous, je prends un exemple simple, et que notre grand frère à tous commence un problème. Toi, tu lui dis, écoute, arrête ce problème, il faut tuer ce problème pour qu'on n'entende pas ta voix. Tu es un grand homme, laisse tomber. Le grand frère ne laisse pas. Et après, il commence à te laver en parabole. On est d'accord? Il te lave en parabole, il ne s'arrête pas. Il te lave, il ne s'arrête pas. Il te lave, il ne s'arrête pas. À un moment, personne n'est en bois. Qu'on se le dise, personne n'est en bois. Que tu montes ou que tu descendes, tu vas sortir. Et quand tu sors en ce moment, c'est avec toute équipe. C'est avec toute équipe. Ce n'est pas pour autant parce que tu l'as insulté que moi, ta soeur, je vais te régner. Je suis désolé. Parce que même le grand frère n'est pas allé de main morte contre elle. Qu'on se regarde en face et qu'on se dise les vérités. Je ne suis pas d'accord qu'il se soit disputé.
mais j'attribue le tort aux deux. Je l'ai toujours attribué. Je l'ai dit à Dolène Miondo, je l'ai toujours attribué. J'attribue le tort aux deux. Oui. Parce que le grand frère n'a pas su se contenir, la petite soeur n'a pas su se contenir, c'est aller dans tous les sens. Ça, oui. Qu'on ne se trompe pas. Mais non. Quand Flo est sortie sur Amotissi, qui était son père? Qui était son tout? Mais tout le monde est sorti sur le monsieur. On est d'accord? C'est deux cas tellement différents que... Attends, excuse-moi, je ne vais même pas te couper la parole. J'ai pas fini. J'ai pas fini, maman. J'ai pas fini. D'accord. J'ai pas fini. D'accord. Tout le monde est sorti sur le monsieur. On l'a caricaturé partout. Fait des choses, dit des si. Mes propres soeurs, Bamileke, même sont sorties, finies avec le monsieur partout. Pourtant, les deux avaient causé en inbox que le problème va se régler. Mais elle est venue mettre ça sur le marché. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble, non? Non, 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 c'est deux problèmes, c'est deux cas différents. J'ai compris ce que tu as dit. Attends, je finis. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Et toutes ses soeurs avec, sont avec lui, non? Comme pour dire que même si en famille, la soeur insulte le frère ou le frère insulte la soeur, parfois, on va jusqu'aux mains. Mais ça n'empêche pas qu'après, on s'assoit et on demande qu'est-ce qui s'est passé ici. Et après, on s'arrête. Bien sûr. Et on revoit les choses autrement. C'est là où je voulais arriver. Que tu laisses et Odile, nous, avant d'arriver là, c'est vous. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Allô. Attends, donne un peu de minutes. Je veux que... Avant que tu chutes, je veux que Odile nous explique où est la différence à la sortie où Fleur de Lille n'a pas fait cadeau à Amot. Elle a foncé sur Amot et je ne veux pas répéter les mots. Et si tu veux que je répète, je vais répéter ces termes. Je n'ai pas inventé ça. C'était dit ici sur la toile. Et tu me dis ce que Compressor aussi a dit au grand frère. La différence est à quel niveau qui a fait que Amot a parlé une fois, il a fermé sa bouche et le grand frère qui est sorti pour faire les clashs. Voilà, vous faites les clashs. Tu veux la différence? Moi, je voulais dire Tu veux la différence? C'est vous les sœurs. Bon, moi, je vais vous les sœurs Bassa. Oui. La c'est vous les sœurs Bassa qui devraient rassembler. C'est vous les sœurs Bassa. Au lieu de la rejeter, d'accord? Écoute-moi très bien. Au lieu de la rejeter, quand je on suis, repousse je un enfant, suis, je on ne le jette pas dehors. Je suis désolée. On l'amène à la maison. Bonsoir, je peux vous répondre, s'il vous plaît. Ce n'est pas tous les Bassa qui ont rejeté Compressor. Je suis désolée. Non, oui, maman, je ne pas du tout. Maman, je ne pas du tout. On a tout déposé. Attends, elle nous répond d'abord. La question. Je te donne la parole. Laisse-moi, je finis. Laisse-moi, je finis. Je voulais dire à Odile que, oui, vous êtes fâchée parce qu'elle a insulté le grand frère. Je suis d'accord avec vous. Mais quand on reproche un enfant, Compressor pouvait être votre grande sœur ou votre petite sœur, même père, même mère. Et gaffe, vous n'allez pas la chasser de la maison. Vous allez bouder et la ramener toujours dans la maison, s'asseoir et laver le linge sale qui existe. On est d'accord ou pas? Parce que les gens se comportent ici comme si Compressor, c'est l'enfant de Lucifer et que l'autre, c'est l'enfant de Dieu. Non, je suis désolée. C'est votre soeur, c'est votre tante, c'est votre femme, c'est votre belle-sœur, c'est votre tout. Quand on reproche à un enfant, on le blâme, mais on le ramène toujours à la maison pour lui dire ce que tu viens de faire n'est pas bien. Mais c'est pas pas. On va te le jeter dehors. C'est ce que j'avais envie de vous dire. D'accord. C'est vous, c'est ceux qui devaient la ramener sur le bon chemin. Oui, maman, je parle même de là. Bonsoir, maman. Avant que tu prennes la parole, Louise. Et Odile. Oui. Non, laissez-moi au moins la parole, s'il vous plaît. Après, moi, je vais partir. Non, je veux que tu prennes la parole. Tu es Bassa, non, Mariam? Je suis Bassa Bamileke. Voilà. Je veux que tu prennes la parole parce que je t'ai entendu. Tu as dit que ce n'est pas tous les Bassa. Donc, je veux d'abord qu'elle me répond et puis je te laisse. Toi, tu parles maintenant. Pardon, maman. Hein? Allez-y alors. Merci, ma soeur. Vas-y, Odile. Dis-moi la différence qui est. Les clashs de Flan sur Amot, qui est venu une fois faire un direct pour nous expliquer ce qui s'est passé. Après, il est rentré chez lui, il n'est plus jamais sorti. Et Flan qui a multiplié les directs, où c'était pas pour dire que président Amot, ayop, mais on l'a jamais vu sortir. Et le grand frère Mesta, qui est sorti s'asseoir
commencer à insulter, et le sang qui coule, et les fesses qui nous bat, et le caleçon qui vraiment. Dis-moi. En fait, la différence ne se retrouve pas au niveau de qui a insulté qui plus que qui. La différence se retrouve sur le motif. Écoute très bien. Le motif des sorties. D'un côté, on a Flore, qui a un monsieur qu'elle appelle père. Pour qui, parce que quand Flore a fait une sortie, elle a sorti des éléments. Un monsieur pour qui, elle va chez lui. Elle travaille chez lui. Les deux s'entraident souvent financièrement. Non. Elle entre dans une... Attends. Ouais, s'il te plaît, Ndolo. Non. Attends. Non. Ne dis pas ça. Tu m'as posé une question. Amona n'a jamais accepté que Flore lui donne de l'argent. Jamais. Amona n'a jamais accepté. Je te le conquête. Je te le conseille. C'est toi qui est venu nous dire que c'est elle qui donnait l'argent à Amot et on a mangé son argent. Mais Amot n'a jamais dit que Flore m'a donné un serpent. Bon, maintenant, je retiens, je reste encore sur ce que je suis en train de te dire. La différence se trouve au niveau du motif. Ndolé, tu peux me laisser m'exprimer pour que je ne perde pas le fil de mes idées. La différence se trouve au niveau du motif. Madame Amot, pas Amot, Madame Amot, Jaguar Amot, a été accusée d'avoir pris les 11 000 euros de Flore à cause d'une tontine. Écoute très bien. Alors Flore a fait une sortie tout ça. La différence entre ça et le problème de Monsieur Messin, c'est que Monsieur Messin présente une personne à compresseur. Monsieur Messin ne mange pas l'argent de compresseur. Il ne lui a pas pris de l'argent. Mm-hmm. Il ne lui a rien fait. Mm-hmm. Il présente une femme à compresseur que compresseur ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Mm-hmm. Et en cours de route, il est en désaccord avec la femme. Pas ce qui s'est passé. Donne-nous vraiment les mots clés. Tu m'as demandé. Tu peux pas guider mes paroles. Tu m'as demandé quelle est la différence. Ce qui s'est passé. Je veux que tu nous donnes les mots clés. C'est deux cas différents, Ndolé. C'est ce que je veux te faire comprendre, que tu ne peux pas prendre le cas de Flore. Le cas de Flore, je te dis, n'importe qui aurait réagi comme ça. Parce que toi, tu trouves que comme c'est Messan qui a présenté un compresseur à Amélie, compresseur ne devait en aucun cas soutenir Amélie au détriment de Messan. Ça sert à faire qu'aujourd'hui, compresseur mérite qu'il aime. Allô, maman, Ndolé, pardon. S'il vous plaît. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, tout le monde. Je vais m'exprimer parce que c'est depuis longtemps que je suis sur la toile. Je ne suis pas une TKC, je vous le dis d'abord d'avance. Je suis une sympathisante. Je suis quelqu'un qui cotise régulièrement chez les orphelins pour Perpétue. Et Perpétue, je lui connais personnellement. Voilà. Je vais pas revenir dans des histoires passées des années. Si on va regarder entre ces trois blogueuses, parce que nous avons je peux pas tout dire blogueuse parce que Compresseur est une blogueuse pleine parce qu'elle fait dans la cuisine. Et dans la cuisine, elle nous montre comment le faire, donc ça fait partie du blog. Voilà. Les soirées ne font pas partie du blog, je suis désolée. Voilà. Je vais pas revenir en arrière des années passées. Si on va voir entre les trois dames, qui a vraiment fait du mal sur la toile? Écoutez-moi très bien. C'est Flore, au départ, parce que cette fille a beaucoup fait du mal, excessivement. Ma soeur, quand tu dis ça, les abeilles de Flore vont penser que j'ai fait un direct pour juger Flore. On a fait la comparaison parce que tu comprends, non? Si tu dis, tu parles comme ça, les abeilles de Flore, ils risquent de prendre le direct mal en passant que j'ai lancé le direct pour dire qu'il y a un peu de mal. Écoute, maman, mon bruit de direct ici, que les gens viennent dire ce qui reproche à compresseur qui mérite que Je vais m'arrêter sur compresseur. Je m'adresse plus à cette dame-là. Oui. Ma soeur Odile, je vais d'abord te dire que moi je suis dans tes paroles, tu disais que c'est pour ça que les Bassa l'ont tourné le dos. Moi je suis Bassa. Je suis
bassard de mère dont c'est le sang et je n'ai jamais tourné le dos à Compressor. Compressor n'est pas, elle n'est pas claire comme l'eau de roche. Elle a ses défauts comme moi qui vous parle, j'ai mes défauts. Ouais, Compressor mais... est toujours sortie quand elle en a ras-bol. Elle n'a jamais répondu à quelqu'un pour la première fois. Elle prend toujours son temps pour répondre. Et ça, c'est ses bonnes qualités. Et moi-même, je suis d'accord que quand quelqu'un m'insulte, tu m'insultes, je sors une fois. Et c'est comme ça que Compressor est. Elle sort une fois et ça fait du feu, du flamme. Et oui, oui, oui. Monsieur Messan a... Compressor a tout fait pour calmer cette histoire-là avec son frère. Je suis elle a tout fait. Moi, non, j'ai tout vu. Je vous dis que je suis à la toile depuis je ne sais pas combien d'années. Elle a tout fait pour calmer son frère. Mais son frère a dit niette. Son frère l'a écouté. Odile, est-ce que tu trouves normal? Est-ce que tu trouves normal un homme qui se met pour insulter le sang de la femme, qui est sa sœur? Est-ce que tu trouves normal un homme qui se met pour s'asseoir pour dire qu'on va, on va enterrer sa soeur vivante? Mais il y avait de quoi Compressor sortir pour mettre la main sur la table. Je suis désolée. Comment il arrive? C'est pour ça que Compressor a sorti un mot très dur à ce monsieur. Parce qu'il a sorti maintes fois des mots très durs pour Compressor. Parce qu'arriver pour insulter la femme de la face, la femme de la femme, son sang, comment elle s'accoule, est plus grave, et plus grave dire qu'on va mettre Compressor, on va l'enterrer vivante. Odile, est-ce que tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal ce que mes parents fait? Hein? Est-ce que c'est normal ce que Messanga fait? C'est pour ça que Compressor est sorti quand M. Messanga a insulté son ventre et a dit qu'on devait lui mettre dans la tombe vivante. C'est là où Compressor est sorti, elle a tapé la main sur la table. Et c'est tout à fait normal, c'est légitime. C'est tout à fait normal. Moi, je ne condamne pas Compressor parce que Compressor aussi l'a insulté. Non. Compressor a bien fait de lui dire ce qu'il fallait lui dire. Parce que c'est lui qui a commencé à insulter Compressor au plus profond d'elle. Moi, je ne peux pas accepter un de mes frères ou bien de mon cousin ou bien de qui insulter mon ventre. Ça, c'est me tuer. Ça, c'est plus que la mort. C'est même. Je crois que le test d'ADN qu'elle a demandé là, c'est rien du tout par rapport à la douleur du sang de la femme. Est-ce que vous voyez même l'ampleur de la douleur que ce monsieur a donné à sa sœur, comme vous le dites? Insulter le sang de la femme, la fesse de la femme, et demander que la femme va mourir, on va l'enterrer vivante. Mais Odile, est-ce que c'est vraiment bien d'insulter le sang d'une femme? Je m'arrête là. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Et je vous appelle donc ça veut dire que ma sœur, si je comprends bien ton intervention, c'est que ma pépère n'est pas une sainte. Oui, comme ça. C'est moi, c'est chose qu'on la reproche, mais elle ne mérite pas tout cet acharnement. C'est bien ça. C'est bien ça. On la reproche même d'abord quoi, même, Doulé? Non, laissons, maman. Non. Les gens qui envoient les gens pour qu'on vienne prendre ton enfant que tu as souffert. On envoie les enfants. Vous savez ce que ça signifie? Compressor a demandé qu'on prenne l'enfant de quelqu'un un jour quelque part. Vous savez ce que ça signifie? Mais arrêtez un peu, arrêtez. Compressor n'a tué personne. Compressor n'a fait du mal à personne. Compressor s'est juste défendu comme il le faut. Il faut rappeler que Compressor, on a signalé sa fille Garou, que vous voyez. Mais attendez, à un moment donné, il faut arrêter. Il était question qu'on récupère Garou parce qu'ils sont allés dire que Garou est un enfant que Compressor a allé voler au Cameroun. Mais vous êtes, moi je supporte Compressor aujourd'hui et demain et après-demain. Je ne parle pas avec langue de bois, ma soeur. Attends, celle-là, c'est moi qui prends ma responsabilité. Je ne parle pas avec langue de bois. Je dis que c'est Fleur de Lille, notre Mafo, qui a lancé le cacha. Alors là, celle-là, franchement, je ne sais pas quoi dire. Que Garou, Compressor, allait voler l'enfant au Cameroun, donc, et les abeilles ont appelé, ils ont accélé les services sociaux, ont tout fait pour récupérer cet enfant. Ça s'est passé ici sur Meta. Flore, notre blogueuse ouragan. Je mets mes genoux à terre, je vous n'allez rien tous les fans de la France. Flore de Lille, elle a fait ça. Mais les gens ont pardonné, les gens ont oublié, on est passé à autre chose. Le restaurant là aura lieu, je vous le dis. Vous voulez seulement dire que parce que Compressor a insulté mes sangs.
Messan aussi a insulté Compressor. La seule personne, je n'ai jamais validé le fait que Compressor a insulté Messan, parce que pour moi, Messan, c'est son grand-père. La seule personne qui collecte l'argent pour aller nourrir. Pour aller nourrir ceux qui n'en ont pas, c'est elle que vous faites chier là. Mais il faut arrêter. Est-ce que Lolo a déjà pris l'argent pour aller donner aux orphelins? Non, ma soeur, pour aller faire manger les gens. Ça ne va pas comme ça. Hein? Ça va faire comme si. Mais il faut arrêter. Arrêtez ça. Laissez-vous la paix à Compressor. Il faut plutôt parler des bonnes choses que Compressor a fait. Il ne faut pas prendre l'exemple. Parce que moi, je dis ça pourquoi? Parce que dans le direct de Dorcas, il y a les gens qui disaient que la TKC est très méchante. La TKC a appelé Amélie, ils ont insulté Amélie, ils ont fait ceci à Amélie. C'est pour ça qu'Amélie a donné la honte à Compressor en disant que on appelle ça que quoi le. Je vais poser une question à Odile. Dites-moi, vous trouvez normal que. Mais franchement, il y a des gens mesquins sur cette terre. Qu'une femme. Comme Flore, prends la sérologie d'une maman qui peut lui porter mettre sur la toile. Mais vous savez même de quoi vous parlez de méchanceté. N'allons pas dans tous les sens. Vous savez ce qu'on appelle méchanceté? Vous savez ce qu'on appelle méchanceté? On a tous vu les choses ici, mais on n'est pas ça. Il la paix à Compressor, fichez-lui la paix. Les gens viennent monter, me dire le pourquoi Compressor mérite le sort que vous l'avez réservé, vous là. Vous l'avez réservé. Moi, j'ai donné mon propre point de vue. Mon point de vue, c'est que Compressor mérite ça parce qu'elle n'est pas Bamileke. Si Moi, je suis Bamileke. Arrêtez ça. Je suis Bamileke et je suis avec Compressor. Malata, juste mérite ça parce qu'elle n'est pas Bamileke. N'importe quoi. Donc, écoutez-moi, les gens comme ça. Moi, c'est mon point de vue. C'est pas parce qu'elle a insulté Messan, parce que Messan aussi l'a insulté copieusement. Nolan Miyando, je ne peux pas accepter qu'on insulte les entrailles d'une femme. Compressor a commencé ou Messan a commencé. Est-ce que vous êtes insulté? Oui. Et alors? Nolan Miyando. Est-ce que vous trouvez normal qu'un homme insulte les entrailles d'une femme? Mais attendez, à un moment donné, je me dis que les gens sont aveugles ou je ne sais pas. Mon but, c'est que ma soeur, je ne veux plus retourner que je lui donne tort ou pas tort ou raison ou pas raison. Mon but, c'est que les gens montent dire ce que Compressor a fait. Ceux qui doivent accomplir ça, qui nous disent ça ici, qui me disent ça ici, j'invite tous les teams de venir monter. Je vais sortir autre chose. Pour montrer vraiment les gens les plus mesquins de cette toile. Radia Mélanine, ils sont allés. Il y a Radia Mélanine et Marie Larose. Ils sont allés jusqu'à vouloir détruire la société de ces deux dames-là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Maintenant, ils viennent parler de la TKC de Maman Pépé, qui vont détruire les biens de Madame Amélie. Alors que ce sont des plus mesquins qui sont allés jusqu'à vouloir détruire le commerce de Radia Mélanine et le commerce de Marie Larose. On est sur la toile, moi je vois, mais je ne parle pas. Hein. Je ne parle pas. Bon, de toutes les façons, moi, j'ai appelé ici les abeilles. Vous pouvez venir, hein? Vous pouvez venir intervenir. Je vous ai entendu chez Dorcas. J'ai compris les abeilles chez Dorcas. J'ai compris tout ce que vous avez dit chez Dorcas. Sachez que, ici, dans le Facebook, si on met une balade, devant le nom de chacun, on verse ce que la personne a fait. Compression ne sortirait même pas nombre 2 dans la balle. Mais non! Les sympathisants, beaucoup qui viennent arriver sur Meta. Vous êtes arrivé sur Meta, peut-être sur le ticket qu'on vous a montré que Compressor, c'est Youssif fait. Mais sachez que il y a eu une chose qui s'est passée dans ce Meta. Que Compressor n'a même pas fait le cas. Écoute-moi, je vais encore donner une petite,
un petit exemple qui fait que Compresso n'a même pas donné le cas de quoi que ce soit. Quand Flore a eu les problèmes avec monsieur Amout, Flore est allée jusqu'à toucher l'intimité de ce monsieur et toucher le lien de sa mère et monsieur Amout. Dis comment sa mère est pauvre. Aujourd'hui, dit que c'est pas la même chose. Toucher jusqu'à parler de la mère du monsieur. Mais est-ce que vous savez même, franchement, une mère est sacrée, hein? Une maman est sacrée. Une maman est sacrée. Personne ne peut parler de ma mère, de ma mère. Et je ose. Elle va chanter. Parle alors, Anima. Allô? Oui. Bonsoir, Dolan Miyandon. Moi, je suis une tête cassée. Une tête cassée. Moi, les gens quotidiens de la cagnotte, de la manière dont tu as posé pour aller dans le direct. J'espère que tu as posé. J'ai tellement forcé. Moi, je suis une bassa, banane. En même temps, je suis une fille basso. Compresso ne va jamais demander. Laisse pas Compresso. Compresso ne va jamais demander pardon à soi-disant à son grand frère. Parce que c'est lui qui a commencé. Il a insulté Compresso jusqu'à dire que Compresso va aller dans la tombe. Compresso ne va jamais et jamais de lui demander pardon. Le jour où Compresso sort, je vais sortir mon visage le jour-là et le jour-là, je vais clasher Compresso. Parce que c'est lui qui a commencé. Amélie, c'est une grande sorcière. Vous voyez une femme qui ouvre les yeux comme ça, comme une boue, comme ça, là. C'est une sorcière. Apportez-moi les produits que j'ai achetés d'Amélie, là. Vous allez voir. J'ai acheté les produits d'Amélie. Elle attendait qu'elle arrive ou c'est quoi, d'or, là, avant qu'elle arrive là-bas pour dire que non, Compresso est mauvais, Compresso est ceci, Compresso est cela. Jamais Compresso ne va jamais la demander pardon à Messa. Jamais, jusqu'à ce que la terre va finir. Ok. Moi, c'est mon mot à dire. Je ne suis jamais montée sur un direct. C'est la première fois que je monte sur un direct. Il faut donc aller contribuer sur la carrière de ma pépé. Je vais aller là-bas. Si ce n'est que pour moi, j'ai contribué hier, j'ai même encore contribué aujourd'hui. Quand j'étais allée au bureau, j'ai contribué encore aujourd'hui. Mais d'accord. Dès que je retire mon compte comme ça, je vais mettre. On a bien le restaurant, là, aura lieu. J'ai dit ça. On va fichez la paix à Compresso, fichez-lui la paix. Laissez l'enfant là tranquille, fichez-lui la paix. Et puis Compresso, c'est la seule. Donc, parmi tous ces blogueurs là, tu sens que c'est la seule femme qui aime le foyer. Ah oui, c'est une femme qui tient le foyer. Une cuisine si propre. Oh là là, j'adore cette fille pour sa propriété, mon Dieu, c'est pas possible. Elle est propre. Elle est Madame Essang. Madame Essang aussi cuisine aussi dans une cuisine propre. Je parle de compresseur ici, oh. Je ne parle pas de Madame Essang. Okay, oui, je parle de compresseur. Je ne suis pas de Maté Cassé, je suis sympathisante. Je les vois tous. Le direct, ma chérie, compresseur est la première blogueuse à faire les œuvres humanitaires sur Facebook. L'histoire retiendra que Compresso Maléba pour tous les sympathisants qui sont là. Tous les films qui sont là dans les fenêtres, là, je vous ai tous vus. J'ai vu ma maman Lily, elle était là. Compresso est la première blogueuse à faire les cagnottes ici pour aller donner aux orphelins. Odile, tu as compris, non? Je te vois écrit là que je suis de la TKC Assume. Je ne suis pas. Je n'ai aucune team. Aucune. Je vois les logiques des choses. Le lien, allez sur l'antenne de mon direct. Vous allez voir le lien de la cagnotte de Maman Pépin. Le PayPal est là. Orange Money est là. Ceux qui ne veulent pas faire le PayPal, ceux qui veulent faire Orange Money. Fichez la paix en compresseur. Fichez-lui la paix. Fichez la paix à Maléba Perpétue. Fichez-lui la paix. Quelle bande même tous ces terrains, elle va nourrir Thierry. On s'en fout. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde point. Fichez-lui la paix. D'accord? Fichez-lui la paix. Et le restaurant là aura lieu. Et maintenant, ça sera bel et bien lieu. Et moi, je prendrai mon véhicule ici pour Paris. Je vais arriver à l'ouverture de celui-là. N'importe quoi. Pourquoi tu parles doucement comme ça? Je démarre ma voiture ici, là. J'arrive là. J'ai un C17, hein, méfiez-vous. Vous ne savez même pas les qui sont derrière Compresso. Regardez-moi les gens comme ça, là. Regardez-moi les gens comme ça. Elle ne demandera jamais pardon à qui que ce soit. Jamais. J'ai dit ça.
Ok. On va soulever ma pépère, n'est-ce pas, ma soeur? Je dis que. Voilà. C'est ça que tu parlais petit comme ça. On va soulever. On dit qu'il faut cotiser, t'as la cagnotte de la TKC. Arrête de dire que tel est TKC ou tel n'est pas TKC. Le problème, c'est que tu as dit que les bassins ont haï Compressor parce qu'elle a fait ceci à son grand frère. Voilà les petits bassins qui sont montés pour te dire que ne nous mettent pas les bassins dans ça. Donc, moi, je ne peux pas, moi, Bassa. Qu'elle ne nous met pas dans ça. Voilà. Qu'elle ne nous met pas dans ça. Je suis désolée, Odile. Ne nous met pas dans ça. Les petits bassins ont dit qu'il ne faut pas que tu dises demain que Compressor. Elle a quelque chose d'arrivé sur Meta parce que les bassins ont scellé. Jusqu'à dire qu'il faut qu'on la pend. Mais Odile, tu t'entends même. Tu t'entends. Tu demandes qu'on pend Compressor. Tu t'entends même. On lui pend que qu'est-ce qu'elle a fait. Vous ne savez pas que mettre la sérologie d'une maman ou insulter le ventre d'une femme, un homme qui est son frère, c'est plus grave que demander l'ADN d'un enfant. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Balancez le poids. De ça, parce que moi, je vais encore parler. Je vais finir le direct. Tu vas peut-être remonter. Descends d'abord. Tu vas remonter. Je ne remonte plus. Il est quelle heure? Il est quelle heure là? Il est quelle heure dans ma montre? Je vais attraper les bourses de mon chéri, pardon, au revoir. Je vais attraper les bourses de mon chéri, je vais les lécher, comme dit ma quota, ma contenance. Les filles bassins, vous ne faites pas de contenance. Contenance, ça d'ici cette carte là, je ne sais plus, parce que je viens souvent regarder les directs après, comme je suis toujours occupée là, parfois. Contenance, ça dit qu'il y a l'anniversaire, on doit faire l'anniversaire des bourses. Pardon. Mm-hmm. Là où tu me vois là, pour ceux qui ne connaissent pas les mots médicaux là, je vais parler à Cartier, je vais tripoter les testicules de mon gars. Je vais les lécher. Eh oui, donc, au revoir. Laissez Compressor tranquille, laissez-la. Qui est derrière elle? Donc, laissez-la. Tu as soutien total derrière ma pépé, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que ma pépé aurait deux dents dans la bouche. Mené. Là, on mente alors au nom de Jésus. Ça va, on mente. Hey, la soirée n'a pas fait deux ans de collection. La soirée. Ça n'a pas fait deux ans. Voilà. Ça n'a pas fait deux ans. Ouais. La soirée. Ça n'a pas fait deux ans. Est-ce que la soirée n'a pas fait deux ans de collecte? Okay. On peut aussi faire deux ans de collecte pour le restaurant. Où est le problème? Oui, non. Mais ça n'a pas... Est-ce que c'est la guerre? Mais ça ne va pas faire deux ans. Jamais. Au nom de Jésus. Minalmi. Laissez Compressor tranquille. Laissez-la en paix. Et elle ne sortira plus. C'est terminé. Voilà. Allez contribuer sur la carrière de ma pépé. Oui. Merci, ma soeur. Merci. Bisous. Au revoir. On contribue. Oui. Au revoir. Au revoir, maman. Laisse-moi là-bas. Merci, Nolé Miandor. Merci. Bye bye. Oui. Alors, c'était notre soeur. Bassa, elle est venue parce qu'il y a Odile qui est montée, dit que les bassins ont boudé Compressor parce que c'est là où les filles Bassa qui étaient dans le direct, elles sont montées, vous les avez entendues. C'est pour dire que qu'elle parle à son nom, qu'elle ne parle pas au nom de Bassa parce que eux, ils sont Bassa, mais ils sont derrière Compressor Balata. Parce que cette Compressor a insulter le grand frère, mais le grand frère aussi n'est pas allé de même mot, parce qu'il faut dire la vérité que Compressor, le grand frère Compressor, c'est Compressor, c'est le grand frère qui devait beaucoup mettre de l'eau dans son vin. Je ne cautionne pas la sortie de Compressor sur son grand frère, d'où je l'ai condamné ici, parce que moi, ce doigt de naître devait la freiner. Mais le grand frère aussi s'est jeté, et il ne s'est pas jeté doucement. D'où moi-même aussi, je l'ai aussi condamné. Je ne suis pas juge, je ne suis personne, mais je suis là comme quelqu'un qui a vécu les scènes, la scène ici. Et j'étais là, j'observais avec mon ami Massamo. Donc, j'ai donné mon point de vue ici. Alors, je vais continuer mon élan en parlant de Nadège Mbapa. Nadège, je vais t'appeler Tatana aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte que je vais t'appeler Tatana? Tatana,
Parce que vous aimez bien les petits noms flatterie là. Tata Nas, c'est ton petit nom que Flore de Lille t'a donné dans les flatteries. Tu te souviens le jour où Flore t'a donné le nom de Tata Nas? Hein, Nadège? Nadège Mapa, tu te souviens? C'était le jour où tu es entré dans les directs de Flore, où elle faisait blessé de guerre dans ses émissions. Tu es entré, dit que tu es blessé de guerre, tu veux passer à l'émission. Est-ce que tu te souviens de ça? Vous, les gens qui me suivent là, est-ce que vous savez que ça s'est passé comme ça? Tata Nas, d'où Flore t'a donné le nom de Tata Nas pour te flatter, pour te faire venir, pour que tu parles de compresseur. J'ai suivi ton direct vite fait aujourd'hui. Où tu es en train de dire que compresseur, ceci, compresseur, cela, compresseur, ça. Jusqu'à dire que tu la veux parce que elle t'a amené dans les réseaux sociaux. Faux, Tata Nas. Ce n'est pas la vérité. Tata Nas, les réseaux sociaux ne mentent pas. Hein? Parce que vous, là, vous faites comme si c'est parce que vous faites trop les directs, vous chauffez, que à force de dire ça, les gens vont se mettre dans la tête que oui, vous avez raison. Non, Tata Nas. Les abeilles de l'époque, là, s'ils sont dans mon direct, ils vont dire qu'on donne 1 million, donc c'est vrai. Flore était en train de faire son direct de blessé de guerre. Elle avait un client dans ce direct de blessé de guerre, était dans ses émissions. C'est là où tu es entré dans le direct de Flore. Tu l'as appelé. Tu as dit que tu veux passer aussi à l'émission en tant que blessé de guerre. D'où le nom de Tata Nas, la Flore t'a donné ça pour te flatter. Que tu viens verser ton amitié avec compresseur. Bon, c'est pas compresseur qui a mené l'histoire d'Amita. C'est pas compresseur, Nadège Mbappa. Arrêtez de faire comme si les données miondo, il n'y avait personne. Donc ça s'est passé dans un trou, dans un endroit où il n'y avait personne, il y avait le monde. C'était un direct qui avait des champs. Flore avait le monde comme ça, dans l'émission là, le jour là. Et tu es entré, tu as appelé, tu as écrit d'abord, tu écrivais. Flore lisait, mais faisait comme si elle ne voyait pas. Parce qu'elle savait que tu es la sœur de compresseur. Après, tu as appelé. Tu as dit que tu veux passer à l'édition. C'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé en direct. Tu ne causais pas avec Flore. Tu étais ennemi avec Flore parce que tu étais la yanceur de ma pépé. Et quand Flore était votre ennemi numéro un, tous les yanceurs de ma pépé, vous ne parlez pas avec elle. Moi, j'étais là. Dans les millions, j'ai toujours été électron libre. J'ai toujours été électron libre. Mais comme vous, là, quand vous dites la vérité, oh, tu es dans tel type, oh, tu es avec l'autre. Oh, quand hier, Flore était encerclée ici, j'ai soutenu Flore. Je n'étais pas abeille. Hein. Aujourd'hui, quand je dis que je vais faire un direct pour ma pépère, on va dire que je suis cassé. C'est comme ça que vous êtes. Oui, je reconnais. Je n'ai pas soutenu Tata Lolo. Vous savez pourquoi je n'avais pas soutenu Tata Lolo? Tata Lolo, tu sais pourquoi? Parce que tu avais beaucoup de soutien. Je vais citer les soutiens qui te soutenaient à l'époque. Tu avais... Comment elle s'appelle? Wakatologue. Qui est avec toi. Tu avais Nadège Mbappa. Qui n'a pas duré dans son truc avec Flore. Parce que Flore, comme elle est là, Flore, c'est comme un tombeau ouvert. Que vous pouvez tous venir guetter, voir le cadavre si les asticots sont sortis. Elle n'oublie pas. Hein? Elle n'oublie rien. Même son amitié avec Tata Lolo qu'ils font là. Je les ai dit dans mon direct qu'elle reste en paix, mais qu'elle ne baisse pas les gardes parce qu'ils ne sont pas amis. Ils sont en paix. Et c'est mieux comme ça. Je préfère qu'ils soient en paix, qu'ils soient en guerre. Mais je ne veux pas qu'ils
revient encore dire que, et puis je suis allé manger le ndolé chez ma tata Lolo, et le ndolé était amer. Et quand Flo a préparé la hachou là était, le tarot m'a gratté, le condré, le tarot m'a gratté. Et puis, non. Parce que vous n'êtes pas amis. Vous êtes en paix, mais vous n'êtes pas amis. Quand je dis ça, ce n'est pas parce que je veux vous voir dans les gays. Non. Je veux juste que ne baissez pas les gardes parce qu'en réalité, vous ne vous appréciez pas plus que ça. Vous pouvez chacun rester à son coin et puis chacun mène sa petite vie au calme. C'est pour ça que je dis ça. Parce que il y a eu les choses. Vous êtes allés trop loin, mes soeurs. Vous êtes allés tellement loin qu'il y a les choses que vous ne pouvez plus vous pardonner ça. Vous ne pouvez pas oublier, pardon, pas pardonner, oublier. Parce qu'on pardonne, on n'oublie pas. On pardonne, mais on n'oublie pas. Non. Donc, Tatana, tu as dit que tu as vu ma pépé parce qu'elle est venue avec ton histoire et t'a amenée sur Facebook. Non. Tu es venue à Facebook de toi-même. Parce que tu voulais venir à Facebook. C'est pas ma pépé qui t'a amené sur Facebook. Quand tu as eu tes problèmes avec ma pépé, vous n'avez pas géré ça là-bas au quartier. C'est toi qui es venu avec ça sur Facebook. Tu es entré chez Flore pour venir parler. Et quand Flore était en bagarre avec le compresseur, elle a sauté sur l'occasion pour te passer. Bonsoir. Tu as fini? Vraiment? Je suis partie me mettre en pyjama, mais brosser les dents. Dis-moi. Je voulais dire une dernière chose. Compresseur est plus belle que vous tous. Mouf! Vous comprenez, non? C'est la seule stylée, femme of day. La femme est debout, stylée, arquée comme sa mère. Non, moi, je ne veux pas que la TKC vous insulte les autres. Laissez-les. Je ne suis pas de la TKC. Je dis la vérité. Bon, laissez-les. Les baptisants de la TKC, n'insultez pas les autres, pardon. Donnez-moi. Est-ce que je mens? Compresseur est la plus belle, stylée. Compresseur, oh, c'est ma soeur. Si je dis oui, on va dire que parce que c'est ma soeur. Donc, tu veux que je dise quoi? Elles sont conscientes de ça, de les millions d'or. Elles connaissent ça, que compresseur est belle. L'élégance à la place. Stylée à la place. La beauté à la place. Quand tu as un enfant, ton enfant est le plus beau des autres enfants, non? Donc moi, là, je ne suis pas mieux placé. Les pas de danse, amour, c'est la mort. Les pas de danse, c'est la mort. Je ne suis pas bien placé pour le fond. Bonsoir. Dit que tu as fait un bonsoir. Vous comprenez, non? Bon. C'est ce que je voulais leur dire. D'accord, elles ont compris. Je veux continuer. Compresseur est la plus belle parmi eux tous. Même sans maquillage, même avec Congoli Bong, elle est belle. Les autres aussi sont belles. Je n'ai pas dit que les autres ne sont pas belles. Tata Lulu est belle. Ben, Nadège est belle. Mais Mayam aussi, elle est vraiment la Ndolé Miondo comme moi. Ndolé Miondo. J'ai deux sœurs sur mes tas que je peux mourir pour eux. Mais je ne suis pas de leur. Je ne suis pas très cassée. Il y a au Cameroun, compresseur. Et en Côte d'Ivoire, Emmanuel Keïta. Oh punaise! Moi, j'étais jusqu'au tribunal à Bordeaux. On a pour compris. Allez contribuer sur le truc de ma pépé. Parce que vous m'avez dit ici là que ma pépé, tu es belle. Maman Lily a chanté ça ici. Vous finissez. Je n'ai pas vu la suite. Bisous. Suis-moi. Moi, mon point, c'est que vous partez contribuer sur le truc du restaurant de ma pépé. Bon, je vais parler. Je parlais à Nadège, je ne m'en pas. J'ai même déjà fait combien d'heures de direct? 2 heures de direct, pardon, je m'arrête là. 2 heures, c'est beaucoup. On va continuer. Le tribunal de ma pépé, on va continuer sur ça. Contribuer pour le restaurant de compresseur. Je vous le dis, croyez-moi. Compresseur, c'est ma soeur, j'assume.
C'est une position que j'ai toujours assumée ici, vous le savez. Je ne fais pas semblant. C'est ma sœur. Je l'aime énormément. Mais je vous le dis en toute sincérité. Flore aussi, c'est ma sœur. Lolo aussi, c'est ma sœur. Tous les autres blogueuses aussi. Jean-Louis Messin, c'est mon grand frère. Tout le monde, président, tout le monde qui est dans les métals, là, c'est ma famille. Voilà. Mais sachez que Compressor, qui est aujourd'hui, que vous êtes en train d'amener dans le trou là, si on met un poids, on met un kilo, on met un truc pour peser, on met chaque personne avec chaque nom, et on verse ce que la personne a fait sur Meta. Je vous le promets, Compressor ne sortirait même pas parmi les trois premiers. Il n'y aurait pas le nom de Compressor ne sortirait pas parmi les trois premiers. Meta, s'il y a trop la manipulation. Meta, s'il y a trop la manipulation, les gens, ne écoutez pas tout ce que les gens disent. C'est pas parce que, à force de dire quelque chose, qu'on dit la vérité. Oui, c'est qui est sûr, la vérité est là. Je voulais parler de Nadège Mbapa, mais il se fait tard. Je vais refaire un autre direct d'où je veux parler de Nadège Mbapa. Tatana, ne me clash pas. Hein. Que personne de vous ne me clash. Vous êtes mes sœurs. Mais je veux que l'acharnement que vous avez mis sur Compressor, vous arrêtez ça. C'est pour ça que je veux un peu revenir sur beaucoup de choses parce que beaucoup de gens viennent d'arriver sur Meta. Ils ne connaissent pas ce qui se passe. Mais vous avez affiché Compressor pour la méchante. Il y a des gens qui n'ont même pas, qui ne connaissent même pas Compressor. Ils ont seulement allumé Facebook. Vous avez entendu que vous avez dit que, oh, Compressor mauvaise, oh, Compressor mauvaise. Ils n'ont que retenu ça. Et peut-être, à force même de leur dire ça, ils sont même en train de penser que vrai Compressor est méchante. Parce qu'il n'y a personne qui vient dire la réalité des choses. C'est pour cela que moi, je suis revenu sur Meta. Pour qu'on essaye de mettre les choses dans la vérité. Là où Compressor a fauté, je veux dire qu'elle a fauté là-dedans. Moi, je veux dire, là où elle a fauté, je veux dire, et je veux accepter la contradiction. C'est pour ça que je vais laisser tout le monde participer. Voilà. Je veux vous laisser. Bonne nuit. Bisous. On va continuer le live aussi. On va parler de Nadège Mbapa et la suite. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé sur la maman des beaux gosses. Parce que j'ai vu son intervention sur Dorcas. Je pense que la maman de Bogos, tu ne connais pas Compressor. Tu as entendu tes sœurs, tes affinités, les gens que tu apprécies, détester Compressor et tu es entré dans cette haine sans toi-même te poser la question que, stop, qu'est-ce que cette fille m'a fait? On n'a pas arrêté de te poser la question sur Dorcas. Tu ne devais pas répondre. Tu es descendu. On sentait même la honte sur toi. Tu es descendu. Oui, ne déteste pas quelqu'un parce que les autres détestent la personne. Parce que quand vous allez arriver à un moment donné, on va vous demander que, bon, arrêtez-vous. Pierre, tu cours pourquoi? Tu donnes tes raisons. Paul, tu cours pourquoi? Tu donnes. Quand on va arriver chez toi, tu vas dire que parce que j'ai vu Pierre et Paul courir, c'est pour ça que je cours. Hein, ma soeur, c'est ce que tu veux? Parce que j'ai vu Pierre et Paul courir, c'est pour ça que je cours. Oui, c'est ce que tu vas répondre. Parce que tu as répondu, pour tuer le truc, tu as dit que Compressor insultait tes enfants. C'est faux, Patricia. C'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas ramener un direct. Ramène un direct où les patrons pour un Compressor t'a insulté tes enfants. C'est trop. Tu es venu avec le nom de la maman des beaux gosses, comme le nom de star. Comme le nom de Facebook. Et tu penses que si toi, tu t'achètes sur Compressor, elle va t'appeler la maman de Lagos. Et moi-même, je t'ai déjà appelé comme ça. Ça ne veut pas dire que je suis en train d'insulter tes enfants. Non. Parce que ce que tu appelles, on appelle ça la manipulation. Mais il n'y a aucun direct où Compressor assis en train d'insulter tes enfants. Aucun direct. Moi-même, je t'appelle la maman de Lagos. J'ai parlé sur toi.
Mais je ne vais pas insulter tes enfants. Voilà. On va continuer le direct demain ou après-demain. On ne sait pas. Allez contribuer sur la cagnotte de compresseur. Soutenez cette dame. Je vous promets, c'est une belle personne. Elle n'a fait du mal à personne. Elle est entrée dans Meta comme tout le monde et elle a fait ce que tout le monde a fait. Elle n'a pas fait pire. Qu'on ne vous mente pas. Compresseur Maléba n'a pas fait pire. Les réseaux sociaux, tout est là. Si vous voulez me mettre en défi, que quelqu'un envoyez-moi les messages inbox. Qu'un dollar, je te mets en défi, compresseur a fait tant, chaque jour. Je vais chercher la vidéo, je viens mettre les internautes suivent. Je vous promets, elle n'a pas fait pire. Elle a fait comme tous ses soeurs et frères ont fait. Il y a eu tout ce qu'il y a eu. À un moment donné, arrêté. Ça fait plus d'un an que ça dure. L'histoire s'est commencé en fin août. Ça fait un an que ça a commencé. L'histoire de Amélie et Jean-Louis, ça fait presque un an. Un an, oui. Parce que ça a commencé en début octobre. À fin octobre, on est en novembre aujourd'hui, ça fait un an que ça a commencé. Ça a duré. Pardon, arrêtez. Arrêtez. Vous avez tout fait. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Normand de Bogos, laisse compresseur tranquille. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Je ne veux même pas te forcer à l'aimer. Mais n'oblige pas les gens à la détester. Parce que ça ne te donne rien. Ça ne rapporte rien dans ta vie, ma soeur. Rien. Tout au contraire, ça peut tâcher ta bénédiction. Parce que Dieu qui a le pouvoir sur tout le monde, tu peux croire que c'est... Et il bénit qui il veut. Dieu bénit qui il veut. Si Dieu a béni compressant, on participe pour son restaurant. Vous allez beau dire, décourager les gens comme le combat que tu as fait chez Dorcas. Les gens vont contribuer. On va ouvrir le restaurant à compresseur. Parce que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui ouvre. C'est lui qui décide. Si c'est le temps de compresseur, hein, vous montez, vous descendez, compresseur, son restaurant va ouvrir les portes. C'est tout. On a fait les titis ici. On a fait les cotes ici. On a contribué pour les gens ici. Ce n'est pas compresseur qui a le record de contribution de Meta. Non, faut pas faire croire ça aux gens. C'est faux cette information-là, ma soeur. C'est faux. Je te promets, ce n'est pas compresseur. Ce n'est pas compresseur. Et tu as dit dans le direct de Dorcas que Amélie est compresseur ment. Que le contrat n'était pas fini depuis le mois de mars parce qu'ils étaient au Cameroun en mai. Moi, je vous ai dit ici là que compresseur est allé au Cameroun pour ses œuvres. C'est sa TKC qui a contribué pour les œuvres que compresseur allait faire au Cameroun là. Amélie a fait seulement du racolage. Elle a fait du racolage dans les dons de compresseur. C'est pas elle qui a fait les dons là. C'est la TKC qui a fait ces dons. C'est la TKC qui a fait ces dons là. Les dons là, vous n'avez pas vu ça sur la toile parce que c'était les dons sous-marins que la TKC a fait. Sous-marins, ils ont dit qu'ils ne viennent pas faire sur la toile parce qu'on insulte trop leur maman que mendiante à cause de demander pour aller donner aux orphelins. Mais sachez que Dieu là, qui ne juge pas, qui bénit qui veut, il va récompenser cette dame. Sur ce, bonne soirée à vous. Allez contribuer dans le litchi de compresseur. Elle veut faire son restaurant. Ses sympathisants et ses fans ont décidé d'ouvrir une cagnotte pour elle. C'est pas compresseur qui a décidé. C'est pas compresseur. C'est ses fans et les sympathisants qui ont décidé d'ouvrir une cagnotte à compresseur. Et je salue cette idée et je la porte. C'est pour ça que je veux de temps en temps faire les lives pour vous dire de le
contribuer et soulever cette dame. Soulevez-la. Elle n'a pas les gens qui la défendent. Elle n'a personne. Elle est seule contre toute la toile. Ça fait un an que ça dure. Un an. Quelle est l'insulte qu'elle a donnée à Jean-Louis Messant, qui mérite qu'on la lèche matin, midi, soir, un an, pendant un an. Même Jean-Louis Messant, s'il accepte ça, c'est, je le laisse avec sa conscience. Bonne soirée.